Okay. Okay. but get but get Vendredi, 2h du matin, Al était assis sur le banc près de l'ascenseur, le seul endroit du troisième étage où un mec ou boulot pouvait fumer tranquillement une sèche quand Warwick monta. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode numéro 51 du Roi Steven. Aujourd'hui, avec moi, autour de la table, il manque du monde, mais il y a d'autres mondes. Euh, ouais. Julien, salut. Bonsoir. Grand poil. Bonsoir! Urde. Hello tout le monde! Et notre invitée Delphine! Salut! Ouais. Bonsoir! Salut Delphine! Delphine qui est euh, co-host de Agatha Krimsty et de Radio Biercatch! C'est ça. De je, je fais des grands, écart, des grands écarts podcastiques. C'est chouette. Exactement. Ah, T'es plus balèze que Jean-Claude Van Damme, là. <laughs> <C 'est> <rire> <que> <rire> et, euh, et pour le côté corpo, Agatha Christie est un podcast de chez Podcut. Et vous pouvez en écouter plein d'autres. Il suffit de vous rendre sur le, le site adéquat. Vous allez bien, tous Oui. Oui. oui C'est le, le, la reprise officielle. Ça y est. On re, on a, nous, on n'a pas fait de pause hein, cet été. On n'a pas fait. Mais on s'est quand même pas vu depuis longtemps. Vous m'avez manqué. C'est vrai, vrai qu'on n'a pas enregistré depuis un petit moment. Euh, vous voyez qu'il manque Emery et Emily. Et ben bah, ils seront là la prochaine fois. Voilà, tout simplement. Ils ont des mots d'excuses. Exactement. Ont des mots en plus. Ils ont été là validés là. par la CPE. Absolument. On accepte. C'est euh... qui la CPE bah, C'est Pomme. Hein. C'est ah, moi. <laughs> bon, ben, D'accord. <laughs> ah, je crois <laughs> que c'était la chef d'établissement, Pomme. <laughs> Ah non, ça c'est Julien. Non, plutôt ça tôt, je pense. Ah, ça c'est Gorde. D'accord. Ah d'accord. <laughs> vous m'apprenez un truc, du coup. Été, il y a eu des promotions cet été, on ne vous a pas dit, mais... D'accord. <laughs> ok. Alors, euh, vu ce qui se passe après dans le bouquin, je ne sais pas si être chef d'équipe, c'est un bon <laughs> plan, mais on en reparlera. Bah euh, écoute, mais... vu qu'elle a des rats partout, elle aime ça, ça c'est bien. Non, bien. Euh, moi, avant de, de <laughs> commencer, euh, je voudrais parler des, des gens qui nous envoient et qui nous disent des mots gentils. Le chat. dans le chat dans le chat dans les messages par exemple euh, là dans, quand on a fait euh, les questions tout ça il y a Ferry Fati, qui est dans le chat d'ailleurs je l'ai vu qui a envoyé un message alors je vous le lis c'est pas une question du coup c'est pour ça que je l'ai pas mis dans les questions et qui dit Aïl Pistoleras enfin euh, Pistolera et Pistolero de mon podcast préféré je n'écoute quasiment plus que vous depuis un moment en même temps on prend beaucoup de temps <laughs> <laughs> euh, je n'ai pas de questions je voulais seulement vous remercier pour votre travail sur ce podcast je n'avais jamais lu de livre de Stivou avant de vous écouter j'ai pris un plaisir monstre à découvrir cet écrivain à travers vous et en particulier La Tour Sombre alors que je n'aime pas trop le fantastique en général dont j'ai mis du temps à écouter le dernier épisode pour retarder mes adieux à mon cathète préféré après le vôtre Grâce mmh. à vous, je me suis acheté plein de livres de Steve woo que je compte lire pendant mes vacances et je compte bien passer la fameuse épreuve du tome 1 de la tour sombre. Grand merci normalement à demain, donc c'était hier. Hein. PS, j'ai commencé bazar et hâte de vous entendre en parler. On a donné envie à quelqu'un de lire du Stephen King. C'est génial, c'est exactement et pour merci. ça qu'on fait. Et, Et je, ça pour je confirme ça pour l'épreuve du feu de... <laughs> du premier volume. Alors, hum. Moi, je, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. J'ai écouté euh, vos épisodes sur la tour sombre avant de lire le premier épisode. Mais du coup, être... coup, il est passé vachement bien. Le premier, je l'ai trouvé relativement bon, bien. Parce que quoi. je savais qu'après, c'était mieux peut-être. Quand je on entend plein de mal, tu le, tu le reçois plus facilement, je pense. <laughs> C'est peut-être ça aussi. Ouais. <laughs> ça doit être ça. Mais là, j'ai commencé répéter, le deuxième. Mais... <laughs> on a une expression en Suisse pour ça qui s'appelle être déçu en bien c'était ouais. <laughs> moins pire que ça à quoi je m'attendais oui, oui. Alors, donc, en tout cas merci beaucoup Ferifati et euh, comme elle n'hésitez pas à nous lâcher des étoiles et des coms sur euh, iTunes ou votre appli de podcast préféré euh, T'as alors... vu, on fait de la pub. Ouais. On et fait alors, des trucs de, de podcasteur pour de vrai. Moi, j'ai <laughs> rencontré un auditeur cet été, un vrai de vrai, en, en chair et en os. Ils existent, il y en a au moins un, en tout cas, je l'ai rencontré, qui s'appelle Marc. Et euh, qui m'a dit et plein de choses gentilles sur le, sur le podcast, sur l'équipe, sur ce qu'on fait, etc. Mais surtout qu'il m'a dit cette chose vachement importante et je pense que c'est pour ça, enfin, je l'ai en tête, il fallait absolument que je vous le dise parce que c'est important. Il a dit que surtout, il fallait que jamais j'arrête de râler donc <laughs> sur ce bon conseil je concept, suis d'accord avais-tu be avais tant besoin que ça d'encouragement non <laughs> moi je suis d'accord aussi <laughs> ça plaît non non il faut bon, ça ça naturel ça plaît aux auditeurs non mais c'est vrai qu'il qu qu a, a dû sentir que tu doutais un peu dans certains <laughs> épisodes euh, d'ailleurs tu peux peut-être euh, comment dire ça peut être un teasing de ton prochain résumé de résumé euh. Ah, euh... qui est sorti d'ailleurs au moment où on parle il est déjà sorti euh, au moment où on enregistre, il est programmé, puisque oui, c'est après-demain. Et au moment où il sort, euh, c'est celui sur Carrier déjà sorti. <coughs> Mais je râle beaucoup dedans, vous inquiétez pas. <laughs> vous verrez. Si vous Moi, je trouve ça marrant. Mmh. Mais c'est à la, haute... bon, bref, à la hauteur de mon ressenti. Oui. Euh, J'ai encore deux autres annonces à faire et après on attaque. La première, c'est que comme la dernière fois, on va vous faire gagner euh, un tome de. Enfin, pas un tome, un exemplaire de Danse Macabre du livre de poche pendant l'enregistrement. Donc il faut être présent, il faudra mettre un mot précis dans le chat au moment où on vous le dira et du coup il euh, y aura un tirage au sort. Et ensuite, avant, on ne sait pas quand, on verra, c'est Julien qui décidera puisque c'est lui qui gère les, les tirages au sort. On vous fera gagner un exemplaire de Charlie. Toujours de Stephen a... King, parce que sinon, euh, ça n'a pas de sens. Il a l'air heureux d'apprendre qui gère les tirages au sort. <laughs> ben, C'est-à-dire que c'est le seul qui sait faire, je crois, hein, de nous tous. Surprise. Avec le bot ouais. Avec ouais. les petits trucs qui tournent et tout Ouais. ouais, ouais. Es le seul à savoir ah oui. faire. Et donc, on fera un exemplaire de Charlie, parce qu'on en a un en rab. Euh, et au lieu qui prennent la poussière pour les années à venir, on a décidé de et vous que le faire. Mange. Voilà. Que des le mangent. Voilà. Et de manière exceptionnelle. <laughs> On envoie enfin un tome avant de, avant de faire l'épisode. C'est ça. Du coup, un auditeur, une auditrice, euh, quelqu'un pourra euh, lire ce livre <laughs> avant qu'on le full spoil. Et donc le tirage <laughs> aura lieu aussi pendant l'épisode à, à main donné. Je crois qu'on est bon. Trigger warning il y aura des rats dans l'épisode. Si vous aimez pas les rats, arrêtez l'épisode tout de suite parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Ouais. Ouais. là, là oui, c'est pas une bonne. Et des une des bonne gros idée. Des dégueulasses. Je des, propose. Des, rats et des, des les qui volent. Que je parle depuis déjà bien longtemps, de laisser la parole à Urde, qui va nous dire de quoi on va parler ce soir. Donc, je remplace exceptionnellement Emmerich. Je ne serai pas à sa hauteur, mais j'ai essayé un petit peu. Donc, ce soir, nous allons parler de poste de nuit, en anglais, graveyard shift qui est une nouvelle euh, publiée dans le recueil Danse Macabre, euh, Night Shift en anglais, je précise, parce qu'il y a des petits jeux de mots. Euh, la nouvelle est parue en 1970 dans le magazine Cavalier aux États-Unis, c'est un cousin de Playboy. Euh, Playboy, rappelons-le, c'est euh, pas qu'un magazine de madame, euh, pour les messieurs, c'est aussi des histoires. Et du coup, est-ce que Et Cavalier euh, poste des photos de cheval nu alors, je n'ai pas été jusque-là, mais peut-être des dames avec des, des bonnes jockeys. De... Je vous ai demandé si c'était des, des messieurs pour les mesdames, du coup. Euh, alors, non, c'est des je ne sais pas quoi pour les messieurs. C'est un magazine de, de messieurs. Je n'ai pas été aussi loin, euh, en tout cas. <laughs> et sinon, le, le recueil a été publié en 1978 aux États-Unis et en 1980 en France. Il a été traduit par Loris Muraille et Nathalie Zimmermann. Il me semble qu'ils ont bien fait leur boulot et elle fait environ 25 pages donc ça va on a je crois qu'on a tous survécu à la longueur de notre histoire. Je crois qu'ils ont donc, bien fait leur boulot sauf pour les heures ah oui, sauf euh, pour l'heure, ouais, effectivement. Il y a eu Je... quelques confusions euh, ouais. dans la nouvelle ce qui, qui est un peu chiante. Je... Oui. petit point, euh, petit point. Euh, Wikipédia. Cavalier est un magazine mensuel de la presse masculine américaine dans le style de Playboy fondant 52, et il a notamment publié des nouvelles et des articles de Isaac Asimov, Ray Bradbury, Robert Coover, Stephen King, euh, euh, plein de gens. Ah, et donc voilà. les gens, les gens, comment dire, lisaient vraiment le contenu. C'est ça, il y a images et il mmh. lit le contenu. Il faut justifier son achat pour dire Je vais lire la dernière nouvelle de Stephen King. Voilà. Moi, j'achète Playboy. Mais coup, pour, euh, du coup, les on ne sait pas s'il y, y a des madames avec des bottes d'équitation. Le mystère reste entier. Pas... Euh, maintenant, je vais, euh, vais attaquer le mini. <laughs> Joli, Allez, euh, bon, je vais attaquer le, le tout petit résumé. Allez, Donc euh, c'est l'histoire du raton Roger qui rêve de tricoter le plus beau bonnet de l'univers. Il va rencontrer Hal de la filature Gates Fall. Ensemble, ils vont mettre en commun leurs atouts pour fabriquer le plus beau des bonnets et le présenter au terrible juge des bonnets, le juge Varoïque. « Oh mince, je me suis trompée. Oh là là !»« J'ai confondu avec une autre histoire, puis j'ai fait un petit mélange !» Donc en fait, c'est une histoire de bonhomme, d'un immense et vieil immeuble, et de plein de rats, et de vermines, et de champignons, et de trucs qui puent, et surtout d'un troisième sous-sol bien mystérieux et qui fout les chocottes. « ça !» Ah, ça, Et maintenant, ma bonne dame. À ça. Donc, commençons par un tour de table. Je vais commencer par euh, bah, Pomme, Allons-y. Euh, alors, euh, je, euh, 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 Cette nouvelle ne <laughs> fait que 25 pages pages. Je n'ai pas, pas un avis pas. simple. C'est terrible. J'ai. Alors, il y, y a un orage qui est en train de péter au-dessus de ma tête. Je ne sais pas si on l'entendra ou pas. On l'entendra pas pour ah, du tout. Au pire, c'est pas au pire. Ça coupera tout. Euh, j'ai eu l'impression de lire deux nouvelles en une. C'était bizarre. Il y a un moment donné, il y a un switch dans l'histoire et je comprends. Enfin, j ai, j ai, la deuxième partie, je l'ai pas forcément comprise. Euh, et du coup, je trouve que c'est pas forcément une nouvelle qui est bien écrite, mais j'ai bien aimé la lire. Et je pense que c'est une nouvelle à lire, comme elle est courte, c'est plus faisable que pour d'autres. Vraiment dans l'ambiance, le silence au maximum, etc. C'est c'est une nouvelle d'ambiance. L'histoire en elle-même, elle est pas. Euh je vous dis, j'ai même pas compris la fin en elle-même et pourtant elle m'a foutu les chocottes, les chocottes. Donc voilà. Et comme je pense qu'on l'a dit plein de fois, euh, Stephen King, ce qu'il aime, c'est l'histoire et pas la fin, il s'en fout. Euh, je pense qu'en fait, c'est pas une histoire d'horreur avec des rats, c'est une histoire d'horreur sociale où on oblige des gens à travailler de nuit dans des conditions exécrables avec un chef de merde. Et je pense qu'en fait, c'est une dénonciation sociale, cette nouvelle. Plus que l'histoire bah, d'horreur et de rats. Alors. Oui. Pour certains, oui. Voilà. Oui, oui. On est d'accord avec toi. Je pense que oui, et... toutes les analyses tendent vers cette opinion. Très bien. Bah, j'ai lu aucune analyse. Hein. Vraiment, moi, j'ai fait mon taf et c'est tout. Et dans le chat aussi, elle dit ah, si vous avez aimé ou pas euh, en même temps. Voilà, c'est mon avis. Bien, bah, passons à Julien. Je vous fais dans l'ordre inverse d'affichage. Alors, déjà, c'était court. Donc, quand c'est court, j'aime. on peut faire tous les titres de la Terre sur cette phrase. Complètement. <laughs> Ensuite, euh, non, j'ai bien aimé. Globalement, j'ai bien aimé. Euh, j'ai bien aimé parce que c'est une fin euh, tranchante. J'ai bien aimé parce que euh, l'ambiance est cool. Ce côté. Euh, euh, on y va progressivement, progressivement, et à la fin, on, on a ces horde de rats et cette grosse bête euh, mutante euh, qui est là. Euh, C'est, j'ai trouvé ça sympa. Et puis, euh, j'ai, ai bien aimé l'histoire parce que j'ai aussi bien aimé le film, mais on en parlera plus tard. <laughs> Est-ce qu'il est sur les jeux de Camille Bien sûr. Ah, on est tous là pour ça, je crois. Bien à toi, grand poil. Euh, bah de mon côté, c'est une nouvelle que j'aime beaucoup. C'est dans ce Cap, c'est mon recueil préféré de nouvelles de King, et c'est, je crois, un des tout premiers quasiment que j'ai lu. Et euh, cette nouvelle en particulier est celle qui, dont je me souviens le plus de ce recueil, parce qu'elle m'a marqué comme je l'ai lu. Je pense assez jeune. Euh, ça m'a l'ambiance, la, la descente aux enfers comme ça, un peu qui, qui vont avoir pendant tout le long. Et vraiment cette fin euh, vraiment dégueulasse quand on est un peu surtout quand on est jeune m'a marqué et marche encore maintenant assez assez fort et comme tu le disais c'est bien de la lire dans une ambiance vraiment feutrée pas de bruit rien du tout parce que comme ça t'entends des petits et <laughs> surtout quand t'as des enfants qui jouent pas loin c'est ça, ça. donc moi euh, non, non moi je, moi <laughs> je trouve c'est une nouvelle qui est vraiment bien écrite qui euh, alors oui c'est effectivement hein, une critique sociale ça il n'y a pas euh, compliqué à avoir euh, je pense dessus mais euh, le, le changement d'ambiance au fur et à mesure euh, se fait, même sur, sur, sur si peu de pages, se fait très bien et suffisamment progressif pour que tu sentes que ça part vraiment en sujet, que l'ambiance se dégrade aussi. Donc euh, ouais, moi, j'aime beaucoup cette, cette petite nouvelle. Bien, merci. Et Delphine, raconte-nous. Oui, je l'avais lu déjà une première fois il y a très longtemps, puisque King, je l'ai principalement lu dans mon adolescence. Et donc je ne m'en souvenais plus du tout, je l'ai redécouverte. J'ai eu du mal à me mettre dedans, tout simplement parce que les rats, c'est pas forcément des petites bêtes. <laughs> Autant les rats domestiques en cage, tout mignon, ça passe très bien, mais les rats de ville, les rats urbains, j'ai, fallait enfin, les, les rats de cave, tout ce que vous voulez, les sauvages, j'ai beaucoup de mal, ça ne m'attire pas beaucoup. Et donc j'ai du mal à rentrer dedans, mais une fois que j'étais plongée, j'ai été euh, aspirée. Je, je suis descendue avec eux, j'ai arrêté de respirer avec eux, j'ai sursauté avec eux, et ça m'a vraiment emmenée jusqu'au bout. Et je n'ai pas eu le ressenti comme Marie, comme Pomme, pardon, <laughs> d'une. Mon <laughs> Dieu, son identité secrète, Wayne, c'est toi Je <laughs> m'appelle <d 'une>... Marie. <laughs> non, mais vas-y, t'inquiète, c'est pas grave. Donc j'ai pas eu le ressenti d'une double nouvelle, en fait. Pour moi, c'était. Euh... J'arrive même pas à voir où est-ce que tu as eu la rupture en fait. Faudrait que tu m'expliques ça parce que bah, pour moi c'était. Euh, bah, ça, est... ouais. ça allait bien quoi. Bah, C'est à dire qu'à un moment donné, euh, ils, ils ouvrent un truc. Ouais. Elle est là la rupture pour moi dans l'histoire. Ouais. Alors que pour ouais. moi c'était. Euh, ouais, C'est la fin de l'histoire. C'est normal. En fait. <laughs> <laughs> C'est ça. Mais Mais c'était alors... la. Ouais. Je pense qu'à leur place, j'aurais fait ça aussi, j'aurais ouvert la trappe pour voir ce qu'il y avait en dessous. Donc, euh... c'était la suite non, logique finalement. Non, t'aurais pas la trappe. <laughs> Disons qu'à ce moment-là. <laughs> bah, dans dans l'état d'esprit où ils étaient à ce moment-là, peut-être que si. Mais je pense oh. qu'on en reparlera pendant le... Ouais. le résumé. Je trouve que c'est à ce moment-là qu'on passe de critique sociale à euh, King fait une histoire de peur. C'est en mm -hmm. ça que je dis que c'est une rupture et que j'ai eu l'impression de lire deux nouvelles différentes. Mais je pense que jusqu'à la fin, il y a toujours cette, euh, cet affrontement quand même entre le oui, oui, Al ah, et son chef, et euh, qui, qui maintient aussi ce côté social, euh, ouais. et de l'ouvrier qui se rebelle et qui peut pas... Euh, oui. Qu'une fois qu'il a commencé à se rebeller, ne peut pas dire Ah ben non, c'est bon, parce qu'autrement, il a tout perdu face au chef. Ouais. Alors, le saviez-vous, mais Stephen King a vraiment travaillé dans une tisserie Puisque ça se passe okay. dans, une, dans une... Bon, vous me dites vous ma chronique, en fait, là. <laughs> C'est pour teaser. Très ah bien, non mais très bien, ça va plus vite. On va gagner du temps après. <laughs> et toi, hurde. Eh bien, euh, moi j'ai trouvé ça court et efficace. Et euh, de ce fait, euh, effectivement, il, ça manque un petit peu. Par contre, l'ambiance, je l'ai trouvé très bonne. Euh, voilà, ça, ça, ça pue. Il y a les rats. Moi, j'ai pas peur des rats, donc euh, voilà. Euh, mais c'est vrai que cette ambiance fonctionne bien, donc euh, bonne expérience. Après moi, les nouvelles, je suis très rarement déçue, donc de toute façon, je suis bon public. Alors après moi, l'autre truc aussi que j'ai pas dit, c'est que je j'étais persuadé que c'était une histoire de fantôme euh, et que ça se passait dans un cimetière et que c'était l'histoire d'un gardien de nuit dans un cimetière qui aurait une histoire de fantôme, ou de vampire ou de quelque chose comme ça, puisque le titre anglais est Graveyard Shift et que grave, c'est tombe. Et, et euh, Graviat, c'est bien le cimetière, de toute façon. Et Graviat, ouais. c'est le cimetière. Donc, vraiment, je pensais que c'était ça. Et je ne sais pas si je spoil ta chronique, grand poil, euh, mmh, Aymeric nous bon, a bon, expliqué bon, que, en fait, il y a pas de traduction littérale, mais ça correspond au poste de nuit qui est le dernier de la nuit, en fait, avant qu'on repasse sur les postes de jour. Mmh. Dans les 3-8. C'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Parce que les shifts, c'est les... Je sais même pas comment traduire ça en français. C'est l'écart, l'écart de ouais. enfin... les postes tout simplement, ouais, les, postes. Mmh. les postes. ou ouais. Équipes. Ouais. les oui, équipes. Ou les équipes, voilà. Et eh bien, la grève grève Chip, c'est la dernière équipe avant de, c'est la dernière équipe de la nuit. Bon, eh ben, t'as dit, mais non, t'as pas dit. Si, 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 ah, si j'ai dit. C'est court et efficace. efficace. Est-ce que vous avez voilà. vu que le fond d'écran de Zurd, c'est des... un point culotte Oui. <laughs> C'est un petit rats que des je n'avais même pas vu. C'est des magnifiques petits rats en train de détendre leur lessive. Ouais, détendre des petites culottes <laughs> Moi je propose qu'on fasse le résumé maintenant et puis on fera le tirage au sort pour gagner le bouquin juste après. Ou pendant okay. Oui, Ça euh, faire. parfait. Euh, non, on ne va après. pas interrompre On relise le manuel. <rire> <rire> <laughs> Il n'est pas compliqué normalement de mémoire, mais... Euh... Ouais, je, je, lance, euh, je lance le jingle. Vas-y. Grand poil. Pardon. <laughs> alors, non, alors, juste avant qu'on commence le résumé, on a une, on, parce qu'on est à fond dans l'actualité. On vient d'apprendre que euh, Peter Straub, le le, le co-auteur de Talisman et de Territoire avec Stephen King, est décédé. Ok. Donc je tenais, c'est ça, ça, on vient d'avoir le, je viens de voir passer l'info. Je pense que c'est important de le mentionner. C'était quelqu'un de, de vraiment important même pour les fans de King. Donc euh, bon. Voilà, euh, nos, hommages à, à, nos hommages à lui et puis à, à King derrière. Et je pense qu'on on, on fera, fera ce diptyque bientôt. Enfin, bientôt. <laughs> c'est un gros morceau aussi. On va peut-être pas se lancer trop vite. Mais <laughs> non, je en pense un moment, Mettre le mot diptyque et gros morceau si proche dans une phrase, c'est prendre beaucoup de risques. Hey, t'as <laughs> vu, la langue, la langue n'a pas fourché. Il y a eu un petit instant de doute. Bref, résumé vendredi, 2h du matin. Euh... Oh, pardon, là, oui, oui, oui 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 Dès le début, nous faisons la connaissance de Hall, un homme entre 25 et 30 ans selon mes estimations. Il va de petit boulot en petit boulot à travers le pays et là tout de suite, il est conducteur d'un gros engin appelé la fileuse à la filature de Gatesfall dans le Maine. Il fait extrêmement chaud pour un mois de juin et pourtant on n'est pas en 2022 dans cette histoire, mais Hall est sur un poste de nuit à son étage et il est content d'être sur le poste de nuit pour ça. À son étage, euh, donc le troisième, il n'y a personne à cette heure-ci, et ça l'arrange. Il n'aime pas bien les humains, euh, Hall. Il n'aime pas non plus les rats, et par contre, ça déraille en a plein à cet étage. C'est au moment de sa post-club que débarque son chef d'équipe, Warwick, qu'à partir du moment de maintenant, je vais appeler le chef. Et ça non plus, il n'aime pas bien. Surtout que, ben, normalement, ça n'arrive pas qu'il vienne, euh, lui. Donc, il est là, euh, Warwick, le chef, pour lui proposer de bosser sur le nettoyage du sous-sol quand l'usine sera fermée. C'est un peu mieux payé, même si ça va vraiment pas être une partie de rigolade, vu l'état des lieux. Hall accepte. De toute façon, il fait des petits boulots. Lui, c'est pour se faire un peu plus de thunes. L'accent est. Bah, pour... Je crois qu'on parle de x4 ou quelque chose comme ça. Ouais, un truc ah, comme ouais. ça. Ouais. Ouais. l'accent contre, est... euh... la semaine est x4 ouais, le Warwick. 4 juillet. Le 4 juillet. Ah oui, c'est ça. Et euh, moi, je tiens quand même à dire que balancer des canettes sur les rats, c'est pas cool, même si t'aimes pas les rats, voilà. Bah, c'est à dire que moi, euh, si j'ai un rat qui s'approche et qui potentiellement peut me mordre et euh, me filer une saloperie, je lui balance toutes les canettes que je trouve. Oui, mais là ouais, ils sont pas voilà. méchants, ils le matent seulement, tu vois, ils sont. Ouais, mais ils le matent bizarrement quand même. <laughs> Dès le début, tu sens que ces rats, ils ont le un rat, truc quoi. Il n'a pas baissé <laughs> les yeux. Alors attendez, on ça. a un problème, notre image est figée. Ah oui, et je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas comment. Voilà, je fait non, pause. Ouais. Euh, ben non, non, absolument pas. <laughs> je ah effectivement, ça, ça a figé là. Ah, c'est le... comme ça. Euh, ce que tu peux faire, c'est genre tu sors du salon et tu reviens. Moi, je sais que ça peut, ça peut faire ça parfois. Je sais. Mais, Mais c'est que... Plein, vous de nous gens, entendez quand même ouais, ou J'ai le... Est... le stream, et, euh, et c'est figé là, oui. par contre, le ah, son est là. Ah mais non, j'ai compris, c'est de ma faute. Euh, J'avais baissé sans faire exprès l'image. Euh, ah oui, on réduit la fenêtre. fenêtre voilà. J'ai réduit la fenêtre et voilà. Bon. Ah la là, la terrible Les joueurs du, <laughs> du joueur français. Euh, très bien. Et oui, mais moi c'est pas mon métier. Alors. <coughs> Quelle indignité. Oh voilà. non, piti. Il est toujours caché pas loin, Nicolas Sarkozy, je peux te le ressortir à tout moment. Donc euh, l'accent est beaucoup mis sur le fait que l'usine grouille de rats. Voilà, on vous l'a dit, ça va parler de rats du début à la fin. Ils vont être de plus en plus gros et de plus en plus dégueulasses. Il, il précise quand même bien que c'est quelque chose qu'ils font pas très très souvent, donc ça fait vraiment longtemps que le sol a pas il eu un petit... 10 ans petit ah ben, En fait, ouais. ils le font parce qu'ils ont été retoqués par les services d'hygiène qui leur laissent mmh. pas le choix. Et qu'ils expliquent aussi qu'il y a régulièrement des inondations, donc les sous-sols sont vraiment dégueulasses. Mmh. Ça promet pour la suite. J'ai une anecdote. Ah, mmh. vas-y. Quand on habitait à Paris, euh, notre premier appart qu'on a pris ensemble avec Madame, euh, on avait une cave. Bande mmh. euh... de riches. Alors, non, c'était l'appartement, la cave en fait. <laughs> ça. Alors, je, je pense que je n'ai pas de photo cette cave, mais déjà quand tu descendais, tu avais l'impression de descendre dans un donjon. Donc, vraiment, c'est un épisode de Game of Thrones d'aller euh, dans la cave. Euh, pas de lumière et tout, tu t'éclairais avec, euh, avec une frontale. Et il euh, bah, y avait des rats <laughs> dans la cave, donc tu pouvais pas stocker tout ce que tu voulais, parce que, pour, pour vous dire on allait très rarement au fond de la cave enfin au fond de notre pièce parce qu'on savait qu'il y avait des araignées et des caves et que c'était dégueulasse donc on stockait des trucs qui potentiellement allaient être jetés parce qu'on savait qu'on n'en avait vraiment pas trop avoir besoin et les trucs dont on avait besoin on les mettait vraiment à côté de la porte tu vois <laughs> prend vraiment la porte, tu prends quoi. ton truc et tu remontes tu vois genre euh, le ventilo ou, euh, ou ton chauffage tu le mets là parce que tu sais que tu vas le, le rechercher ouais. Et un jour, juste avant qu'on rende euh, l'appart, euh, on est parti en vacances et il y a eu une inondation. Euh, parce qu'il y avait une canalisation qui passait dans notre cave et il y a eu trop d'eau qui est passée par cette canalisation. Elle a pété, elle a inondé notre cave et on a eu la joie de retrouver une dizaine de rats morts dans notre cave oh, euh, quand génial. on a pu la débarrasser. Ah trop bien Super. Quel bonheur Donc, tout ça pour dire que euh, ce roman aurait pu se passer à Paris 17e. Il n'y a pas très longtemps. Et de pourtant, les, longtemps. les rats savent nager. donc... Euh... Ouais, mais s'ils ont été coincés. Euh... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ils savent nager. Mais bon, il y a un moment euh, l'humain, il sait nager aussi. Hein, oui. Quand il est bloqué, il est bloqué. Oui, oui, oui. oui. Ouais. ouais bah, le rat, il n'a pas de médaille d'or aux Jeux Olympiques. Alors c'est bon, il sait nager, mais. Ouais, il nage bien quand même. Lundi, que... 23h. Ils sont 36 bonhommes à avoir répondu à l'appel pour nettoyer le deuxième sous-sol. Ils auront de la lumière et des jets d'eau puissants. Tout le monde se prépare pour descendre. Hall a l'impression qu'il va arriver quelque chose et ça lui plaît pas. Mardi, 2h du matin. C'est plutôt très très dégueulasse là-dessous et ça pue la moisissure, la chaleur et la rivière polluée. Hall décrit entre autres des champignons vénéneux blancs et chauds sur un mur. Et puis, oh. il y a les rats, des centaines d'énormes rats aveugles, pas peureux et plutôt agressifs. Les champignons, je crois que je les ai vus dessiner dans les catacombes de Paris. Il y a une salle de champignons avec des, des gros graffitis de trucs vraiment sales. Ah ouais. <laughs> ouais, là, là, là quand il en parle, ouais, ça donne pas envie, non Ah non. non. Les champignons m'ont plus dégoûté que les rats, perso. Euh. <laughs> bah, La à description ce est très, très sale, le côté vraiment. Ah ouais. euh... Ouais, très... chaud, gros, chaud <laughs> Non, ouais. tu l'imagines bien, ouais, cette cave dégueulasse là. il ouais, y a plein de, de bordel euh, de chenilles, comme on dit en Suisse. Donc, de... t'as autant de la paprass que, que de la laine ou je sais pas quoi, et tout. Oui, des, des, des chutes tissu. de tissus, de fils, tout ça. Ouais. Ouais. des meubles, le euh... bien, l'humidité qui, qui est bien. faite ouais, la voilà. et... Oui, et puis mm. ça a pris la flotte plein de fois, donc euh, c'est on peut. Y... Ouais, euh, ouais. On peut bien imaginer le truc. Mm -hmm. Dans le chat, il y a 73 qui dit On a tout pour un bon repas, des rats et des champignons, manque que la crème. <laughs> C'est vrai. Euh, on était ouf. Mardi, 4h du matin. Pause au repas. Mmh. Un des gars manque à la pelle. Il a été mordu par un rat gros comme un chat et a dû rentrer chez lui. Fin de la pause. Déjà, un rat gros comme un chat, ça commence à être pas mal. Hein. Oui. Oui. Pause Mardi. Un petit chat. Même, même. même hein. Hein. <laughs> Mardi, 7h du matin. Fin de la première nuit de nettoyage. En rentrant chez lui, Al a l'impression que lui et le chef sont liés, mais il ne sait pas pourquoi. Une fois au lit, il, il rêve de rats. Ils savent surtout que ce qu'on nous décrit dans tout le début de cette... Euh de cette nouvelle, c'est qu'il y a quand même une animosité entre les deux et euh, ils, se... ils peuvent pas se piffrer, quand même. Ouais, mais tu vois, par exemple, ça, ça fait partie des petits moments où, euh, tu vois, ils sentent qu'ils sont liés. Quand tu connais la suite de l'histoire, tu pourrais presque te dire qu'il y a un truc peut-être un peu euh, fantastique, machin, pourquoi il oui, a mis ça là, oui. on sait pas. Mmh. Une intuition. Le shining des rats. <rire> <Ouais>. <rire> Mercredi, une heure du matin. Alors, c'est là que c'était mal traduit puisque dans la VF il y a marqué « Mercredi, 13h <laughs> ». Oui, je voilà. confirme, ça, ça m'a fait bloquer aussi. Bref, d'ailleurs, donc, on parlait des rats puisqu'il en rêve. Euh, en termes de rats, rien ne s'arrange. Les travailleurs en délogent de plus en plus et ils sont de plus en plus gros et de plus en plus agressifs. Alors, je crois que j'en parle pas dans le résumé, mais en fait, ils ont des, des énormes lances à eau, mais qui détruisent tout sur les passages et qui butent les rats euh, tellement c'est fort. Ouais, bah c'est un peu comme des lanceurs à ça a l'air aussi puissant que ça. ça. Euh... Et en fait, ça. ils font le nettoyage comme ça, ils détruisent tout ce qu'ils trouvent avec ça et après ils remontent et ils ramassent. Un groupe de gars ne veut plus bosser tant qu'ils n'ont pas de gants de protection. Parce qu'ils n'ont pas de gants de protection. Et un dénommé Carmichael se fait mordre le téton par un de ces monstres. Il a mal, <laughs> il crie, il veut être dédommagé. Le chef lui assure qu'il le sera. Un autre ne veut ouais. plus bosser dans ces conditions et ils sont plusieurs à le suivre. Après tout, ils ont été embauchés pour nettoyer, pas pour dératiser sans équipement. Le chef leur dit ouais, peuvent surtout qu'il ne se fait pas juste mordre, il se fait euh, enlever un bon bout de... Ah oui, oui, c'est une vraie agression, hein. c'est pas un petit ouais. nullement Ça saigne bien, vrai, quoi. Ouais. Ouais. Puis ça refile des maladies quand même, les rats, c'est pas euh, c'est pas juste une blessure euh, comme ça, quoi, les rats d'égout. Bah, ça, ça fait, fait très bien. mal, hein. Déjà un rat normal ça fait très mal donc euh, un, un rat euh, sauvage j'ose pas imaginer mmh. surtout de cette taille-là. Oui. Ouais. Euh, donc le chef leur dit euh, au petit groupe de, de rebelles là, enfin euh, de rebelles en fait au petit groupe qui veut avoir euh, des conditions de travail. Qui veut de la thune. <laughs> normal. Non en plus il demandent il demande je pense qu'ils demandent, s'ils ont le choix entre plus de thunes ou des conditions de travail où ils ne risquent pas de crever à chaque pas, ils choisiraient les conditions de travail où ils ne risquent pas de crever à chaque pas. Oui. Mais bon, ils disent là, ça ne bon, peut pas continuer comme ça. Et donc le chef leur dit qu'ils peuvent partir s'ils le veulent, mais qu'ils ne comptent pas retrouver du boulot dans le coin euh, après ça. Tout le monde se remet au travail, du coup. La pression de la blacklist. Bah, C'est-à-dire qu'on ne parle pas de. De, de, de start euh, informaticiens qui peuvent retrouver du boulot plus ou moins en claquant des doigts demain matin si jamais ils en trouvent plus euh, à l'usine mmh. ah oui non c'est sûr jeudi 2 heures du matin notre héros et son compère alors ouais parce que depuis le début il est avec un autre gars euh, avec un nom que j'ai pas noté et je... il s'appelle son compère il bosse en binôme <laughs> donc notre héros et son compère continuent de nettoyer dans leur coin en se demandant par où les rats se sont barrés quand une chauve-souris leur tombe dessus le chef qui les entend crier de loin leur demande ce qu'il se passe. Ol ment et dit, enfin hall c'est le même, euh, et dit qu'il s'est fait une éraflure. Le chef se fout de sa gueule et repart à ses occupations. En fait, il vient de trouver une trappe qui mène à un sous-sol supplémentaire. Si j'ai bien compris, il ne veut pas que le chef s'en rende compte tout de suite. Et c'est pour ça qu'il lui ment en fait, pour pas qu'il vienne euh, dans cette zone. Euh, Voici. Ouais, si. Non, non, j'essaie de me souvenir exactement pourquoi ce qui. Je crois que jusque là, il voulait essayer de pas descendre dedans. C'est surtout pour ça qu'il veut pas que son chef vienne. Ah, c'est ça. Ouais. À moi, dès le départ, je me suis dit, il prépare un truc. Non, non là je pense qu'il plus... dit, euh, il sent que ça grouille en dessous. Ouais, après, ouais, ouais et je crois. Non, c'est avant, c'est avant, je crois. Avant, il entend déjà des bruits, euh, des bruits à ce niveau-là, et il n'a pas trop envie d'ouvrir et de descendre voir ce qui se passe. Surtout que c'est vraiment une, le, la trappe, c'est vraiment une, c'est un truc en bois qui fait vraiment tache au milieu d'une usine. Ça a l'air vraiment. C'est bizarre. Trop ancien pour être, pour être normal. Des souvenirs, ils en... il y en a même plusieurs. Je ne sais pas si vous l'avez dit, parce que j'étais sur, le... bah, sur le chat, mais après... il y en a plusieurs, ils en trouvent plusieurs. Ouais, après coup, j'ai cru comprendre qu'il y en avait plusieurs, mais à ce moment-là, je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Mmh. Ouais, pareil, c'est à la deuxième lecture que j'ai vu ça. Jeudi, 3h30 du matin. Hall est maintenant avec son compère de d'habitude plus deux autres. Il a trouvé une autre trappe. Il appelle son chef pour lui faire remarquer qu'il y a un autre sous-sol et que c'est là que doivent sûrement vivre les rats. Le chef perd patience et vire Hall. Mais celui-ci lui explique qu'il a passé du temps à étudier les lois locales. Euh, il a passé son après-midi à la bibliothèque en fait mmh. et que l'entreprise est obligée de dératiser, que ça coûte une blinde, qu'elle va couler et que tout le monde va perdre son emploi, y compris lui, le chef d'équipe. C'est un, The... hein. un... Ouais. un petit malin, mais c'est un petit ténu en plus, Al. C'est l'intello, ils l'appellent tous l'intello parce que c'est le seul qui a fait un, un peu d'études, si j'ai bien compris. Il bah, n'y a que le chef en fait, qui lui dit au fait, euh, au tout début, il lui dit au fait, toi as fait des études. Al il dit oui, et là tu ah, ouais, je m'en souviendrai. Et à partir de là, il l'appelle l'intellectuel. Ah, ok, bah, coup, je comprends un peu avec, avec, euh, <laughs> euh, avec le, le film où c'est un peu plus poussé, on va dire. Après, oui, euh, quand tu bosses dans des. Euh dans des métiers de ce type-là très manuels, enfin, euh, si je sais pas si vous avez déjà fait ça pour votre job d'été, mais quand tu vas bosser à l'usine et que tu fais des études longues, rien que le fait que tu fais des études longues, tu peux te faire appeler intellectuel. C'est ne oui, oui. me choque pas en fait. En fait, ça, ça, que... ça me choque pas. Oui, tout à fait, ouais. Ce qui me, ce qui, me, qui me choque, c'est pas le terme. Ce qui me fait pitié pour le chef, c'est que il donne l'impression d'avoir trouvé de la bonne vanne, tu vois, le bon truc pour attaquer. Et... Bon, C'est un peu con, quoi. C'est euh, comme dans The Office, euh, quand le stagiaire, on l'appelle Temp, et on l'appelle Temp pendant mm -hmm. 9 saisons, tu vois. C'est des... <laughs> une manière d'afficher et d'appuyer et là où ça peut faire, potentiellement faire mal. Donc, euh... Donc le chef d'équipe, là, qui se croit un peu plus malin. Warwick. Que Hull, Warwick, il s'appelle. Euh, il décide de garder. Je sais parce que c'est le nom d'un personnage dans League of Legends. Ok. <laughs> Et aussi d'une chaîne d'hôtel. Mais bon. Ouais, ça me euh, fait oh. penser à chaque fois à Warwick Davis, celui qui jouait dans. Euh, Mince. Ah, oh, le... Le... le truc de fantasy avec Val Kilmer aussi. Euh... L'honneur, là Ah, nain, le, nain le, le, la si personne de Val petite Kimmer. taille. Euh... Alors, il a joué, il, a, il était dans la R2 d 2 aussi. Willow. 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 Ah. Alors, Ce film qu'on croit que c'est un film pour enfants, mais c'est pas un film pour enfants Pas trop. Moi, je l'ai regardé tout. avec mes enfants et il y a des moments où tu. Ah Moi, je l'ai vu beaucoup petite euh, et ma nounou appelait ça Le Nain. Et c'est pour ça que c'est le premier nom qui m'est venu ah oui. euh, quand on a parlé. Je pensais à Willow. Rémi B avait trouvé le nom du. Euh... Batman, le, le nom <laughs> <du> jeu... <laughs> Batman. Euh... Oui, Val Kilmer a fait Batman, mais <laughs> pas ça. Ah bah, DJ Paragon aussi avait trouvé Willow. Heureusement, on a un chat euh... meilleur que nous. Ah bah ils sont taqués Il ah, y a qui dit à... League of Legends représente. Ah Donc, ouais, moi, ouais, moi ça un... me ça me fait penser à une bière, mais c'est Vartek. Ah. En fait c'est Vartek, c'est une bière suisse si je me trompe pas. C'est voilà. un, un humain qui est devenu un loup-garou. Voilà. Dans Willow Ou dans LOL Non, dans League of Legends. Ah, en Suisse En Suisse De quoi on parle voilà, Ça devient compliqué, là crafting, euh. il, se il se transforme en buvant de la bière. <laughs> Donc, ce chef-là, Warwick, qui se croit euh, plus malin, puisque c'est lui le chef... Il décide donc, après avoir viré Hall, euh, finalement, bah, il décide de le garder, mais de l'envoyer avec son compère, le pauvre gars qui a rien demandé et qui se retrouve du coup dans l'histoire, euh, dans le sous-sol pour dératiser. J'ai dit « Ah bah ouais, bah, puisque t'es malin, bah peut-être c'est toi qui va ». Hall, euh, il est ok, mais par contre, il va y aller avec le chef, il essaie de dire « Bah, il faut bien qu'il y ait un membre de la direction qui vienne constater, imagine que je dise qu'il y en a plus que ce qu'il y a en réalité ». Les autres gars se sont regroupés autour d'eux pour assister à la scène, et là, il y a un concours de gros kiki qui n'a pas peur, qui euh, a pas peur des rares, hein, qui commence entre Hall et le chef. Dans le film, il y a une meilleure astuce pour le faire descendre. J'ai trouvé. C'est ah. rare que je trouve que le truc soit plus malin dans le film que dans le livre, mais dans le film, il dit :« Mais si je trouve un trésor, faut bien qu'il y ait un membre de la direction mm. pour pas me <laughs> prouver que je l'ai volé. Ah, » mm. <laughs> Effectivement, c'est smart. Yes. Jeudi, 4h du matin. Bon, finalement, ils arrivent à ouvrir la trappe. Euh, elle est recouverte de blattes et de champignons, ça a l'air dégueulasse rien qu'à l'ouverture. Il y a aussi un vieux loquet cassé, mais il est à l'intérieur le loquet. Ça paraît étrange au chef, pour Hall, c'est peut-être pour éviter que quiconque ne rentre là-dedans, justement. Au fond, on entend que ça grouille. rats ah, et que... autres châteaux mignons. Que quelque chose en sorte. Bah, il dit non, deux... non, lui, il dit que c'est ouais, il dit oh, ça, il dit ouais. que c'est pour éviter que quelqu'un rentre. Ce qui a, une... c'est pas très logique non plus, hein, parce qu'il y a forcément quelqu'un ce... qui l'a fermé. Rentre et sort, voilà, ouais. Et moi, à ce moment là ça. je me suis dit, oh, on va croiser des vampires. Vous <laughs> toujours des fantômes non, les fantômes, j'avais compris, mais du coup, tu vois, le est fermé de <laughs> l'intérieur, il n'y a que les gens de l'intérieur qui pu, peuvent aller. Hein. Il y a une chauve-souris en plus. Il y a une chauve-souris, après on va sur un autre truc. <laughs> euh, voilà, je me suis dit, oh, ça y est, il va y avoir les. J'avais pas tout à fait tort en pensant qu'il y aurait peut-être des vampires, mais bon. Donc, le chef, Hall, euh, et son comparse terrorisé descendent là-dedans. Le chef, Virgule, Hall, et son comparse terrorisé descendent là-dedans. Il trouve un coffre, alors il trouve des bêtes, des machins, il trouve des, des vieux meubles, et il trouve un coffre. Alors là, on n'est pas tous d'accord dans l'équipe sur ce qu'il <laughs> y a sur ce coffre et qu'est-ce qu'il y a dedans. Pour que moi, c'est un coffre avec un nom dessus que je n'ai pas noté et une date, 1800, quelque chose antérieur en tout cas à la construction de l'usine. Et alors à ce moment-là, Julien, toi, tu as pensé que c'était des fournitures Ouais, qu'en gros, c'était genre une entreprise, et puis l'année de l'entreprise, tu as de l'année de création. Moi, j'ai pensé que c'était un, un cercueil. Alors, il y a écrit dessus Elias Varney 1841. Ouais. Donc, oui. je pensais que c'était le nom du gars qui est dans le cercueil, mais non. Parce généralement quand un cercueil, cercueil t'as la date de naissance as et de naissance puis as la date, date va, de mort. Bah, donc, et... euh, moi, je voyais ça plutôt comme euh, c'est effectivement une euh, comment dire. Euh, je crois que c'était assez euh, assez courant que les mecs ils mettent leur nom sur leurs affaires quand c'était dans, dans ce de ce genre-là la date. Mais genre un coffre où il y a des, des vêtements comme et des petits c'est ça. Pas qu'il oui, perdu. C'est le une... trésor, c'est bon savez, comme une ça date de euh... tu vois, ça datait d'avant la, la construction de la boîte. Ah oui, oui, une cantine de militaires, oui, effectivement. Donc c'était, ah, si bizarre. Militaire, d'accord. Moi, c'est plus ce genre de choses que j'ai vu en fait. Mm. Mm. Je me suis dit qu'il y avait quelqu'un qui avait dû s'enfermer à l'intérieur pour une raison X ou Y, que partir en exploration ou je ne sais quoi, qu'il avait fermé pour qu'on lui foute la paix et qu'il avait pris sa. Mais on ne le sa sa gâche gâche avec. <laughs> et en, en anglais, il y a bien écrit box. C'est pas un problème de traduction. A huge wooden box with white letters on it. Elias Varney, euh, du mm. 1841, was the euh, ouais, pas... Limite, ça fait penser peut-être à des, des caisses de transport sur un bateau, un Oui, truc oui, d'accord, d'accord. J'aime bien votre explication. Surtout que du coup, euh, ça avait, par rapport à la suite de l'histoire, le fait qu'il y ait là un cercueil, ça n'avait absolument aucun sens. Donc. Euh... Sauf dans le film. Alors... Sauf dans le film. Ah, Peut-être <laughs> le film, ils l'ont compris comme moi, du coup, en fait, la lecture. De, non, le film, euh, j'ai une théorie. <laughs> On n'en parle hmm. plus. Donc, ils avancent assez vite. Le... Ils avancent, pardon. Et assez vite, le compars se trouve le moyen de se barrer. Et puis, personne n'essaie de le retenir parce que oh, lui, c'était pas son but se retrouve que son pote se retrouve bloqué dans cette histoire. Au fur et à mesure du périple. Ol et le chef découvrent des bestioles de plus en plus grosses et difformes. Euh, ils découvrent aussi un crâne, un cubitus. Bon, mm -hmm. on sent que du coup, il y a quelqu'un qui est mort là, un squelette. Euh, moi, j'ai eu l'impression que Ol, il commençait à être un peu gagné par la folie. Mais via la peur, en Vraiment. fait. La... Ouais, oui, tu sens que les, les plombs commencent à sauter là. Ouais, mais il lâchera rien. Le chef, euh, lui, enfin, il veut que le chef lâche le premier. Mais en même temps, à chaque fois que le chef dit non, mais maintenant je me casse, Holly dit hors de question, tu bouges pas, et il le, euh, il le euh, pointe avec euh, la lance à incendie que s'il l'ouvre, il lui dégomme la tête en fait. Oui, oui. Ouais. Donc le chef, il veut, en fait, il peut pas lâcher. Enfin, c'est un truc un peu. Euh... Ça, ça me fait penser quand je mets ma main sur le ventre de mon chat et qu'avec le haut de ses pattes, il me tient la main et avec le bas des pattes, il racle pour que je me barre. Tu vois, euh... <laughs> ah non, mais quand il racle, c'est pas pour que tu te barres, c'est pour t'éventrer comme il le ferait avec une proie. Laisse-moi croire qu'il est con. Il pas méchant. <laughs> et euh, je crois qu'on l'a pas dit, mais ils sont, de plus... enfin, ils sont entourés par les rats de plus en plus proches. Il oui, me semble. Ça, ouais. Là, on arrive gentiment à 30 cm, 30 cm qui ouais. est quand même. Euh... Ouais. Bah On est, est là sur des races de taille chiens, hein. ouais. des diformes aussi. Petits chiens, pas que oui. gros. J'aime. Qui commence les... à avoir de, de moins en moins de pattes. De... Ouais. Ouais, des mutations. Ouais. Les, les Alors... produits chimiques et le reste. Tu sais pas trop. En termes de quantité, ceux qui ont joué à Tail doivent avoir une image à peu près de ce que ça <laughs> peut donner. Mais en gros, ce qui les sauve pour l'instant, c'est d'avoir la lampe. Enfin, ça fait que les races se rapprochent pas autour euh, via la. Et la, la lance aussi. Lampe, et ah, oui, la lance, et la incendie. Aussi. Et ils, mmh. Mais ils sentent que les rats grignotent la lance derrière eux au fur et à mesure qu'ils ouais. avancent. Ah oui. Donc ah ça, moi, moment. ça m'a fait... Ouais. <laughs> ah bah ben, tu sens que Alors, euh, ça pue leur truc. C'est complètement vrai. Petit point jet d'eau. Mais sachez qu'en Suisse, on a un très très beau jet d'eau à Genève. <laughs> très bien. Rigole <laughs> pas, Yon, c'est ce truc à voir à Genève. Pratiquement. <laughs> mais Genève, c'est pas la Suisse. Pas Je ne lancerai pas <laughs> ce débat. C'est un jet d'eau. Parce que... Quand on parle de jets d'eau qui peuvent tuer ou qui sont, comment dire, euh, ah oui. dangereux, ils <laughs> montent à 140 mètres, la vitesse de sortie ah bon. de l'eau est de 200 km/h et il y a 500 litres par seconde qui sont débités. Faut Donc, un conseil, tête. ne mettez pas la tête dessus. Euh... Sauf si vous voulez vous suicider. Un, sera bon une belle petit, vent, un ouais. petit peeling, là. Imagine que tu as la, t auras t auras la, ta... la, la tête après. qui monte à 200 mètres. <laughs> Pourquoi pas, hein? il y a DJ Paragon qui est, qui est de Genève et tu l'as choqué. <laughs> ah. bon, on va perdre. Oh. C'est de bonne guerre c'est de bonne guerre ouais, et, et dernier point j'ai oui. d'eau. Sachez que le plus haut jet d'eau qui n'a jamais existé était <laughs> à Jeddah et qu'il est monté à 312 mètres. C'est-à-dire que le truc est monté pratiquement aussi haut que la Tour Eiffel. Pour vous donner une <laughs> un idée, c'est ça. À Jeddah. Jedi C'est où C'est en Arabie Saoudite, si je ne dis pas de que... bêtises. Je crois ça. que ça s'écrit pareil. <laughs> ouais, c'est ça. En Arabie Saoudite. Mais de... De... quelle culture Oh, bah ouais, c'est mon ami Wiki... C'est mon ami Wikipédia, comme dirait François Courtis. Est-ce que tu as Et... tapé dans Wikipédia <rire> Gédo. Gédo. <rire> non, non, c'est sur la page. C'est sur la page du gédo de Genève. Ah d Ils expliquent que voilà, il euh, y, y a des concours de qui a le plus gros d'eau dans le monde parce que voilà, c'est <laughs> qui a la plus grande. Hein. <laughs> Eh, vous savez quoi, ça sera ça la question sur les réseaux sociaux euh, pour gagner <laughs> Qui a le plus gros jet d'eau du monde <laughs> Bon, alors, euh, on continue notre périple là parce qu'ils avancent, euh, ils avancent, ils avancent. Au bout d'un moment, alors j'ai pas su dire si le moment était long ou court parce que la nouvelle est courte, mais est-ce que le moment qu'ils ont passé là-dessous avant d'arriver à l'abomination là, est-ce que c'était long ou pas Ben bah nous on sait pas, on est un est peu comme nous, on fait. est perdu hein. Ils subissent, donc, en ils en savent cas, plus où ils en sont, ils sont dans le noir avec des rats partout. Euh... Ouais. À un moment, ils arrivent au bord des fondations de l'usine et ils voient que le, ça continue euh, au après, en fait, ils continuent ouais. d'avancer. Euh, et ça fait... continue encore un moment. Hein. Ouais, ce qui fait peur euh, au chef, parce que je pense que lui, il se disait bon, on va finir par trouver un mur, on va revenir, ça va être bien, <laughs> mais non. Et donc, au bout d'un moment, ils arrivent au niveau, si j'ai bien compris, d'un trou immense dans lequel vit une espèce de rat abominable. Moi, j'ai pensé au Sarlacc dans Star Wars, mais avec une tête de rat. Bon, en fait, ça pourrait être Jabba avec une tête de rat, vu Et comment Jabba. il est décrit ah grand. Oui, mais oui, Jabba plutôt. Mmh. Non, mais moi, j'imaginais. Ben, comme euh... il parle d'un trou, tu vois, j'imaginais. Tu vois, ouais, euh... ouais. vois pas de quoi je parle, Delphine ben, je... Star Wars, je connais pas grand chose. Donc, moi, j'imaginais une, une grosse reine thermite, mais vraiment énorme, 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 mmh. avec une tête de rat. <laughs> Dites-nous dans le chat comment vous imaginez. Euh, ça commence à, ça, à faire des hybrides chelous, là. Hein. <laughs> en fait, il n'a plus de pattes, c'est un gros truc euh, avec des plis, des plis et des replis, c'est ce que j'ai. Enfin, comme ça que je l'imaginais. Ouais, qu il traîne comme survie, il peut au euh, euh... fond son trou et qui se fait nourrir mmh. parce que les rats lui apportent. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, Ol fait tomber le chef. C'est lui à qui il le pousse, on est d'accord Ouais, ouais. Euh, et puis il s'enfuit sous les cris et craquements d'os du chef euh, dans les pattes et la gueule du, du petit ratounet ouais, ouais. donc Hall revient euh, il essaye de revenir jusqu'à la trappe il y arrive presque euh, mais, mais mais à un moment donné bah, il a plus l'eau pour se défendre euh, je crois qu'il a plus la lumière machin, il se fait attaquer par une euh, chauve-souris il, il tombe aussi et c'en est fini de Hall il c'est attaqué je par trouve est des long. dizaines de chauves-souris et c'est le bon. Les, les chauves-souris, ça a l'air d'être des rats mutants plutôt que des chauves-souris. ouais plutôt, ouais, c'est ça. Parce qu'il parle mmh. d'abominations mutantes. De... C'est ça. Et pour moi, il n'était pas si loin que ça du tout, en fait. Il n'a oui, pas eu l'occasion de beaucoup reculer. Hein. Il s'est vite fait euh, rattraper par ces trucs volants un peu bizarroïdes. Ah, pourtant, il n'était pas loin de l'abomination Ah, ouais, pour moi, il n'a pas eu l'occasion fait... fait... ah, de Moi, j'avais l'impression qu'il a bien, bien avancer. Je crois qu'il a euh... fait trois quarts quand même. Euh... Les trois quarts, ouais, euh... je crois. Ah, ouais. Il me semble, ouais. Mmh. Bon, j'étais pressé de finir alors. <laughs> Et c'est pas la fin de l'histoire parce que, donc là, Alors, là, on a bien compris que bon, c'en est fini pour lui. Mais au-dessus, il bah, y a les collègues, puis les collègues, bah, ils sont là, ils sont autour de la... du trou, là, puis ils attendent. Ils attendent, ils attendent, puis au bout d'un moment, il y en a un qui dit Bon, bah, faudrait peut-être qu'on aille voir ce qui se passe, euh... peut-être eu un problème. Euh... Et ils y allèrent. Fin <laughs> Et là, on ne peut qu'imaginer ce qui a pu leur arriver. C'est ça. Le cercle sans fin. Bah, le... La dernière garde de nuit. Après, il n'y a plus de garde oui. de nuit. Il n'y a plus personne. Ils se font quand même une dernière post club avant de partir. <laughs> <Oui>. Ça fait une <laughs> bah bah cigarette il... du condamné. C'est <laughs> ça, qui... puis ils n'ont veulent... vraiment pas envie d'y aller. Hein. Ils ouais. sentent bien qu'il y a un truc qui pue là-dessous. Je ne me souviens pas ce qu'il fait le compère à ce moment-là. Il ne descend pas avec eux, je crois. Euh, attends, je regarde, je suis sur la page. Je me demande si c'est pas pareil en courant. On, on sait, sait pas. Je ne suis même pas sûre qu'il ait le temps de revenir. Mais n'empêche, si on y pense... Ah, si, oui, comme s'il y est, oui. S'ils si en y pensent, ils ont pété le verrou et tout, donc là, ils vont laisser la porte ouverte. Euh, si le compère, ne veut pas y retourner. Et de toute façon, le, celui qui il tenait rôle de chef dans ce qui est resté, lui dit de toute façon, toi, tu ne retournes pas, non Oui. Donc, euh, bon très bien. C'est un bon chef, ça. Il a pris en compte les difficultés... Euh, de son euh, équipe. De son équipe. Euh, et il adapte. Voilà, et il laisse personne derrière. La fin et de Il ne s'est pas... Oui? pas passé tant de temps que ça, parce que c'est un... Euh... Oui, à 4 heures du voir. mat', ils descendent dans la cave et la dernière partie, c'est 5 heures du matin. Ah merde, je ne l'ai pas noté. Ouais, c'est euh, ouais, pas grave. Hum. Ah, il bon, une heure, ça suffit. n'ai pas dû aller si loin, quoi. Ouais, une heure pour y aller, mourir et revenir euh, et remourir, du coup. Ouais, ouais. Peu... ça me okay, semble. Question, que... Pardon Tu pas posé une question euh... J'ai dit est-ce que tu as eu des frissons Moi C'est une blague <laughs> parce que 5 heures du mat', j'ai des frissons. D'accord. Pardon. Merci euh, Julien. <laughs> Et je disparais. Il y a um, The Lex, euh... <laughs> ça marche plus. Heureusement <laughs> que ça marche plus. Dans le dans le chat, il y a Thelex 73 qui demande euh, si on s'est demandé qui avait fermé. Alors je sais pas si c'est nous ou les gens dans le dans le bouquin, mais il dit euh, personne s'est demandé qui avait fermé le verrou initialement. Bah si. Alors dans le bouquin ils se le sont demandé, mais pas longtemps quoi. Et nous, on non, se non, les pas... mais on ne sait pas. Quand bah, j'ai bah, euh, eu euh... Vas-y. Non, vas-y, vas-y. J'ai eu la réponse à ça quand on a vu la boîte et les ossements. C'est un gars qui s'est retrouvé... Euh... Soit il a été mis en punition, soit euh... il a voulu se protéger de quelque chose au-dessus, j'en sais rien, mais c'est quelqu'un qui s'est enfermé volontairement là. Et on a hmm. retrouvé sa boîte de matériel et ses ossements un peu plus loin. Ouais, mais pourquoi, pourquoi il serait descendu avec ses, ses bouquins et je ne sais pas quoi bah, Pour se... Ce... Peut-être qu'il y a eu un... Pour passer le temps je dis, avant de se faire hein, il y a peut-être eu un incendie au-dessus, ou je ne sais quoi, qui fait qu'il a eu envie de se protéger, tu vois. Il une ah, panique mais, fin, oui, mais attends, il aurait eu. En même temps, il faut le temps d'installer de... le, le verrou ouais, avant de descendre. <laughs> non, pour moi, si c'est lui, et il y a des chances que ce soit lui. Il a installé le verrou parce qu'il savait ce qu'il y avait là et qu'il ne fallait surtout pas que ça sorte. Peut-être bien aussi, ouais. Il s'est sacrifié pour protéger la communauté, quoi. Ouais. Bah, moi, j'ai pensé à ça un peu, dans le sens où un truc qui est fermé de l'intérieur, tu te dis, c'est qu'en gros, faut pas que les gens de l'extérieur y accèdent. Pour les protéger. Ouais. donc euh, Moi, je sentais qu'il y avait une sorte de gros monde, il y avait une menace derrière cette trappe. Et forcément, si tu l'ouvres, tu prends le risque d'aller affronter cette menace. C'est ce que pense de Lex qu'il a fait ça pour. Euh, il s'est sacrifié pour sauver l'humanité. Un truc un du peu quoi, à il la en brume, fait en fait. Même. Le truc est ouvert et l'humanité va être bouffée. Mm. Mm. Ah, du coup, là, l'humanité est mal barrée parce qu'il n'y a personne derrière pour refermer. pas fermer. Mais du coup, c'est le préquel à Uplegtale, alors effectivement. <rire> <rire> Est-ce que vous avez des choses à rajouter, les copains et les copines Non, non, non. Merci non. pour ce résumé. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Eh bien, je propose de passer à l'importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King Park en poil. Générique. Merde, mon texte. <laughs> <coughs> Alors, c'est encore de sa propre expérience qu'un jeune, de, de sa propre expérience qu'un jeune King tirera cette nouvelle. Alors qu'il allait rejoindre l'université, il avait peu d'argent et il accepte un boulot dans une filature délabrée à Lisbon Falls. Il y entend parler du nettoyage régulier des sous-sols où les ouvriers y aperçoivent des rats gros comme des chiens. Ah, clin d'œil. On y retrouve des thématiques pas mal appréciées par King, les employés col bleus exploités et maltraités par des patrons capitalistes peu scrupuleux. C'est aussi la troisième histoire de King à être publiée. Donc, il a quand même. Euh, on est vraiment sur ses sur ces tout débuts là. Mm -hmm. Et c'est en, en 1970, on l'a déjà dit que King vend la nouvelle que nous venons de parcourir au magazine Cavalier pour la somme rondelette de 200 dollars. Énorme pour l'époque. Et pour King surtout, qui n'avait pas d'argent. Euh, L'employé réel de la filature qui lui a raconté l'histoire bénéficie d'une promotion dans la nouvelle. Il devient chef d'équipe. Et du coup, il suit une fin de vie moins encourageante aussi. Euh, toute cette nouvelle est un, est un miroir et au final on pourrait dire un hommage à celle qui aurait dû apparaître dans la première version de Salem. En effet, le personnage de Jimmy Cody devait être dévoré par une horde de rats dans une séquence particulièrement horrible au lieu de finir empalé sur des couteaux. Son éditeur a fait entendre au réseau à King car il était certain que Doubleday, le, 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 qu celui qui publiait les, les romans de King, n'accepterait ne, ne, jamais une telle scène. Et pour finir, le nom du personnage principal, Hal et le Hall, comme tu dis aussi. Moi je l'ai plutôt dit hall tout le long, mais Hall on en anglais. C'est <laughs> le même nom de famille que les amis d'enfance de King. Ouais, non, mais est King, petit... il est très fort pour ça. Je veux dire, il écrit une histoire horrible où une femme risque de mourir <laughs> attachée à son lit parce que son mec <laughs> est nul et qu'il y a un psychopathe avec des bites autour du cou qui se balade et il dédie ça à sa femme et à ses belles sœurs, quoi. Et là, euh, là, il fait mourir des gens dans une cave de manière horrible et il leur donne le nom de ses amis d'enfance. Non, mais franchement, <laughs> c'est sympa. Un petit clin d'œil à des gens qui l'appréciaient a priori beaucoup en plus. Hein. Des vrais amis qui sont restés longtemps, pas juste euh, des mecs qui ne les pas. Bon, en tout cas, c'était tout pour moi sur les adaptations sur ce que la place de l'œuvre dans... Ah oui on sent que ça a une grosse grosse importance dans Love de king euh, cette nouvelle c'est la troisième puis la troisième truc qui nouvelle, publie quoi. ça fait 25 pages voilà euh, ah ah on, on attaque déjà notre troisième heure d'enregistrement et qui va être temps de parler des adaptations j'espère qu'on aura un peu de temps <laughs> Alors, les adaptations, il y en a eu une, de ce que j'ai compris, euh, qui est sortie en 1990 ou 90, selon dans quelle région francophone vous habitez. Et euh, alors, c'est un peu compliqué, mais elle a deux noms. Bon, en anglais, elle s'appelle Graveyard Shift, c'est plutôt simple. Mais en français, elle peut s'appeler La créature du cimetière ou mm. Rat. Depuis qu'elle est sortie en DVD. Alors, moi, j'ai cherché euh, <laughs> la bande-annonce, parce que du coup, je ne l'ai pas vue, je vous avais dit que j'essaierais de la voir. J'ai trouvé Ra 2003, j'ai lancé, ça avait l'air de rien avoir, euh, je l'ai laissé tomber. Il oui, un autre. Une, une, ça, film. une adaptation d'un un roman de. Ah là là euh, James Herbert, je crois. Ok. Moi, je me suis fait avoir comme ça une fois avec, euh, dans G7. Zui nous a ramené un film qui s'appelait Worms, et ça n'avait rien à voir avec le jeu. <laughs> Ça peut arriver. Très bien. Euh, alors, euh, La créature du cimetière, réalisé par Ralph S. Sigleton. Vous ne savez pas qui c'est et vous ne saurez plus qui c'est après cette émission, donc euh, il n'a pas l'air d'avoir fait une grande, euh, une grande carrière. Le film fait 89 minutes. Il a coûté 10 millions de dollars. Je ne sais pas combien il a rapporté. Il y a pas euh, Juste un peu plus, il me semble que j'avais lu, ah, ah, oui, ah, oui, voilà. voilà, lu ça quelque part. Ah oui, 11 millions 5. Ah ouais, voilà, j'avais vu ça quelque part. Sachez qu'en France, il a réalisé 46 000 entrées, 430. <laughs> Soit euh, deux semaines d'audience euh, du podcast. Quoi. <rire> <rire> euh, alors, euh, qu'est-ce que je peux vous dire Il euh, y a. Quelques différences avec euh, la nouvelle. Mais je pense que le mieux, c'est que je fasse rentrer l'échelle de Carrie. Peut-être que Delphine, connais-tu l'échelle de Carrie Non, je n'ai pas écouté. Je ne sais même pas si vous avez fait un épisode oh, sur Carrie d'ailleurs. Oh, oh, ben, merde, alors oh, là, je l'ai pas. Enfin, je oh, la pas ronde, écouté. Parce ronde, que Carrie, c'est mon, mon king doudou. Mais, euh, alors, ah. sache que Carrie, c'est mon premier résumé du roi Steven il y a maintenant 4 ans. Wow. En septembre d'il y a 4 ans. Et alors, pour ceux qui écoutent euh, ce soir, bah, dans deux jours, sort le résumé du résumé que je fais moi-même. Et euh, <laughs> donc, quand vous, si vous l'écoutez au moment de sa sortie podcast classique, vous, vous aurez déjà écouté le résumé du résumé. D'accord. Mais donc, ouais, donc euh, faudra que j'aille vous écouter. J'avais commencé oh avec Cimetière à vous écouter. Ah, ben bah, c'est celui juste avant. Ah euh, non Ben bah, ouais. Ah, si, c'est ça, c'est celui juste avant. Cimetière, et cimetière, ça m'a valu des, des fou rires en salle des maîtres ou sur la route pour aller chercher mon pain, que les gens ne comprenaient pas parce que j'étais comme une conne en train de me marrer dans la rue. Mais on a moins rigolé sur Carrie. Ouais, moins et donc euh, oh, une... l'échelle de Carrie c'est par rapport au, au film Carrie et au bas du diable. En fait, voilà, c'est on a le vu reste... Carrie, vu qu'il y a eu genre euh, six, six adaptations de mémoire de Carrie, mm -hmm. plus ou moins proches. Euh, je les avais classés et en fait, maintenant, au fur et à mesure des adaptations, je les mets dans cette liste. D'accord. Donc en fait, euh, c'est scientifique, hein, c'est prouvé. Il y a un article dans Science euh, là-dessus. <laughs> donc il y a trois <laughs> axes pour classer une adaptation. Il y a, et à chaque fois, c'est noté sur 10, donc à la fin, ça fait une note sur 30. Est-ce que ça a respecté l'œuvre littéraire mm -hmm. Est-ce que ça a respecté son ambiance Et enfin, est-ce que c'était divertissant Oh, je vais reprendre ça pour Agatha Christie moi. <laughs> tu peux, c'est copyrighté, euh, Podcut euh, tout le monde peut l'utiliser au sein du label. <laughs> Est-ce que du coup tu vas mettre les adaptations d'Agatha Crimsteed dans l'échelle de Carrie avec ce qui a déjà été fait euh... Ah bah non, l'échelle ouais, de, de Poirot. C'est l'échelle de Julien, c'est tout. L'échelle de Poirot. C'est bien oui, compliqué, oui. ouais. Voilà, ah, l'échelle de et plus, Poirot et Marple, derrière. tu vois. Ça fait en plus scientifique, quoi. Genre, <laughs> la Marple et uh, Poirot Lader. <laughs> euh, alors bon je vais pas tous les faire mais sachez que dans le top 3 on a Carrie au bal du diable de 76 mm -hmm. Christine et Carrie la vengeance donc ça c'est 1, 2, 3 ça c'est 1, 2, 3 et que les 5 derniers c'est le radeau rappelez-vous le radeau mm -hmm. euh, l'épisode 15 de la saison 6 de Castle Carrie de 2002 la tour sombre et le clip de ghost Ouais. <laughs> Donc... Pas tous d'accord. Non, mais c'est moi qui décide. C'est lui mais qui classe son avis. C'est le spécialiste. Il a fait des études, les stats, tout, c'est lui. C'est vrai. Exactement. Donc, première euh, note que je dois donner. Hop, je rouvre mon petit truc. C'est respect de l'œuvre. Et j'ai mis 7 sur 10. Mmh. Alors, quand même, quand même. Bah ouais, c'est ah si bah, c'est une, bah. hein. ouais, une, ouais. une des meilleures notes que tu as non C'est pas mal fidèle. 7 sur 10, c'est pas mal. C'est assez rare. C'est une des meilleures notes que tu as Il me semble pour. Euh... Les carrés étaient bien collés, étaient bien quand même. Hein. Y avait... mm. Bah attends, je vais rouvrir. 7 ah. sur 10. J'ai déjà mis un 10 sur 10 pour les Langoliers. Ouais, j'allais dire les Langoliers. Ah. <laughs> J'étais en 9 train d'y penser. <laughs> <laughs> voilà. Un 9 pour l'épisode 18 de la saison 2 de Riverdale. Et un 9 pour Salem 2004 aussi. Ah, quand même, ok, ok. Mais c'est une des meilleures, quand même. Enfin, sur le nombre de choses que tu as notées. Ouais. Euh, pour Alors. Pour précision, il n'y a pas les enfants du maïs dans cette. Euh, non. Si cette... <laughs> oui. on avait trop, si ouais, on avait fait l'épisode. 9 ou 10, ouais. Et bientôt le 11e. Donc. Oui. Si vous me permettez de finir ma chronique. Mais ah, oui, tu crois euh, On t'en prie. <laughs> euh, donc, il faut être honnête. Faire un film court de 80 minutes sur une nouvelle de 10 pages, je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire. Et là, je fais un clin d'œil aux gens du Hobbit. <laughs> Il y avait un peu plus de pages. Un petit peu. Le, le rapport est plutôt en faveur de, du Hobbit, hein, quand même. Et. Euh donc j'ai mis 7 sur 10 et même Mathieu Rostac et François Co qui sont euh, les deux qui ont écrit euh, ce livre là sur les adaptations bah, qu'on voit pas très bien à cause de mon filtre <laughs> voilà on le là, voit on bien le voit, ouais. ils ont mis 70% d'adaptation de... enfin de comment ils appellent ça le taux de fidélité donc euh, on est pas mal on est pas mal euh, en gros ça se passe au même endroit euh, on a les deux personnages principaux ainsi que euh, les deux monstres principaux parce que pour moi, il y a le gros rat et la grosse chauve-souris. Ah oh non. C'est est... le gros rat et le chef d'équipe, les deux monstres. Tranche oh, ouais, balance. Là, hey, bon vous souris. avez vu, je balance un peu là. Hey. Hey. <laughs> la révolution. Et retrouvez Pomme à la fête de Luma euh, ce week-end. Euh... <laughs> 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 euh, Alors j'ai enlevé un point parce que c'est là où à... intervient ma théorie. Donc ça s'appelle la créature du cimetière. Il faut savoir que un an avant est sorti au cinéma Cimetière. Et je pense qu'ils ont mis ce, ce titre à la fois pour faire une traduction littérale de Graveyard, mais à la fois aussi pour essayer de surfer un petit mmh. peu sur la vague euh, du film. Oui, parce qu'on est. Je pense que c'est possible. Il n'y a pas de cimetière dans cette histoire. Il ne suffit pas qu'il y ait un Il y en a dans le film. Soit... Oui, d'accord. y dans... posé oui. la créature. Ok, ok. okay. Mmh. Du coup, il n'y ont... a, y a, y a pas de tas de bois. Il y a un tas d'os. <laughs> oui, un énorme tas d'os. Et, et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a autour de la table virtuelle qui ont regardé euh, euh, Hit de 90, mais mm. le, le repère de la chauve-souris finale m'a beaucoup fait penser au repère de Pennywise, en fait. Oui, avec le tas d'os aussi. Ouais. Mm. Exactement, cette sorte de grande caverne avec un d'os, etc. Il y avait un... et c'est sorti la même année. Alors, je sais pas s'ils ont tourné au même endroit, mais il y avait un truc. Mais en fait, je réponds à ma propre question. Avez-vous remarqué que j'ai fait une formation sur l'expression orale? Car il faut poser des questions rhétoriques pour entretenir le rythme de ce qu'on dit. Et donc, ce film, il a été tourné dans le Maine. Et je pense que c'est le film, il y a l'usine qu'on voit. Alors, il y a un clin d'œil à Stephen King parce que l'usine s'appelle Backban, oh. Ah oui. Euh, oh. Et elle a été tournée à Bangor. Oh. Et oui. Mais donc bah au moins, ils ont été au plus proche. Exactement, ils ont été au plus proche euh, de l'auteur. Euh, donc j'ai un point pour le titre, parce que pour moi, Créateur du cimetière, c'est pas ça. En plus, ils ont acheté un cimetière pour vraiment raccorder. Et l'autre truc qui est un peu inutile, c'est le Love Interest, en fait. Parce que dans, le, dans la, mm. la nouvelle, il n'y en a pas. Ils ont collé un riche entre le chef entre Al et, et le et chef ah, non. <laughs> ah ça j'aurais bien aimé mais <laughs> en fait euh, le chef bah, il utilise un peu sa position de chef pour euh, draguer des, des femmes et euh, à un moment ça se passe mal il y en a une qui l'envoie euh, dans une meuf qui drague qui l'envoie dans lui il l'envoie dans l'équipe de nuit ce qui fait que elle lui défonce sa voiture. Et en plus, sa voiture, elle ressemble un peu à Christine. Je ne sais pas s'ils si ont été poussés de vis à aller jusqu'à mettre une Plymouth, ah, Mais question. on dirait une cadillac qui ressemble un peu à une Plymouth, Mais noire. Je n'ai pas fait gaffe, ouais. Et après, ouais, ouais. Euh, lui, en fait, se lit d'amitié avec, un, avec une, une femme qui travaille aussi dans la tisserie. Mais ça n'a pas d'intérêt. Et ça passe pas le test de Bechdel, pour sûr. Là, il fallait quand même, enfin, il fallait qu'ils trouvent un moyen de rallonger un petit peu, de rajouter du contenu. Oui. Et puis, et ils ont rajouté des femmes dans une nouvelle où il y en avait pas une seule. Mmh. Ça. Alors, si je peux me permettre, euh, si vous écoutez la réponse D, vous savez qu'on dit Bechdel et pas Bechdel. Ah pardon. <laughs> Prends ça, le Bechrel. Euh... Bechrel. s'écrit pas pareil. <rire> <rire> la voyais <jolie> pomme qui. <laughs> Et pour moi, le, Deuxi le Becquerel, c'est un petit cours d'eau qui passe à Lille, mais en souterrain. Ah, oh. C'est pas une unité de mesure aussi en aussi, Ouais, ah, Je me demande si c'est de la radioactivité. Ouais, je crois. en physique. Ça me dit quelque ouais. chose. Et j'avais, pris axe. une note que, que la Nana venait de Castle Rock. Ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je n'ai pas dit. vu la série Castle Rock, mais à ce qui paraît dans la saison 1 de Castle Rock, on voit la filature qui a dans ce film. Euh. Ah ok. Je l'ai lu dans des livres. <laughs> euh, donc, respect de l'ambiance. Eh ben j'ai mis 7 sur 10 aussi parce que le film, il est quand même bien dégueu. En fait, c'est rare que je me dise... Donc, j'ai lu avant de regarder l'adaptation, ce que je fais d'habitude, et c'est rare que je me dise « Bah ouais, je m'imaginais ça comme ça, en fait. Euh, » avec au début les, les rats un petit peu mignons qui te regardent et puis après quand tu descends d'un étage, les rats qui sont un peu moins mignons <laughs> et qui font pas que te regarder et puis après, même quand ils jouent avec le jet d'eau, ils font du ball trap avec le jet d'eau et les canettes, franchement euh, j'aurais, si j'avais dû dessiner ou réaliser un film j'aurais essayé d'avoir ce qui a été obtenu par, euh, par le réel mmh. donc voilà j ai, j ai, ce que j'ai trouvé dommage c'est que je l'ai regardé en qualité euh, merdique Ouais. Et euh, en, je voyais pas bien, mais du coup, c'est vrai que c'est noir, crade. En fait, tu as, as vraiment cette impression de. Il n'est pas, tu sais. pas facile à trouver, mais l'ambiance était bien glauque, était vraiment bien rendue. Ouais. Alors ça, moi, ils que ont que fait, bien réussi quand même. J'ai lancé une version anglaise de bonne qualité en ouais. lançant ton lien avec la VF. Et comme ça, j'avais la VF en bonne qualité. Voilà, ouais. <rire> <rire> Sauf qu'en en fait, entre YouTube et Plex, euh, la vitesse n'est pas, pas la même. De temps il fallait que je fasse du pause-pause, comme à l'époque où on avait les DivX, et qu'il ouais. fallait qu'on recale le, le les sous-titres le sous de temps en temps. Alors, j'ai bien aimé aussi... Alors, autant les love interests, je trouve que ça inutile. Par contre, dans le film, il y a un autre personnage qui est un dératiseur un peu foufou, qui a fait le Vietnam, qui te raconte... Euh, les les Viettes, euh, <laughs> quand ils voulaient torturer des mecs... Euh, il, il, le met, il enlevait son t-shirt, il faisait une entaille dans le ventre, il mettait un rat. Et puis, si le rat, il ne creusait pas l'intérieur, il, il mmh. mettait un salier par-dessus et le chauffait pour que le rat, bah, il, le seul moyen qu'il ait de sortir, c'était de creuser à travers le mec. Quoi. Mmh, les anecdotes sympas. Et le Dératiseur est joué par Brad Dourif, un acteur que j'adore. Oui. Et en plus, il joue dans Lost, donc c'est un bon acteur. Il joue dans Lost, il a joué dans, <laughs> dans Dune, euh, il a joué. Euh, Seigneur dans... des Anneaux. Alors c'était grima C'est là que je l'ai repéré, okay. Vu que je ne suis pas très doué avec les visages, mais je me suis dit. Ça Et c'est lui, la, en, en VO, c'est lui la voix de Chucky aussi. Oh. Mmh. Et il a une tête à être la poubelle dans le fléau. Ouais. Ah, oui, <laughs> ouais. alors c'est pour ça que j'ai regardé sa filmographie, parce que je me suis dit, est-ce que c'est la poubelle Non, mais il fait ouais, globalement non. que des rôles de, de, de taré un peu. Hein. Ouais. Mais Oui, effectivement, il m'a fait penser fortement à la poubelle, donc je l'aime. Et sa fille <laughs> prend le même chemin un petit peu aussi. Ah, oui, de, oui. Ne voir que des rôles de taré. Hein. C'est ça. Et en divertissement, notre euh, troisième note, j'ai mis 8 sur 10 parce que j'ai passé un bon moment. Alors, mmh. c'est un nanard, c'est clairement un nanard. Les, les, les acteurs, j'ai mis mettre les potards à 2000. Parce que le Warwick, il fait vraiment le méchant, et puis le fou, il fait vraiment le fou. Il n'y a que l'acteur principal qui est un peu nul. On peut se mentir, il est un peu ouais. fadasse, quoi. Mais les monstres, ils sont bien faits. C'est vraiment les monstres des films d'horreur des années 90, faits en mécatronique, avec les trucs qui dégoulinent et tout. Euh, Qu'on ne te montre pas trop pour que ce soit ton cerveau qui fasse plutôt le, le travail. D'épouvante que ce qu'on voit, qu voit vraiment. Et je trouve que c'est un bon film de samedi soir. Tu as envie de passer un petit moment, pas trop prise de tête avec euh, ton, ta chérie, avec tes potes. Bah, tu te mets ça, ça dure 1h20, c'est court. Que bière, une euh... bonne pizza, t'as une bonne soirée. Ouais. <laughs> Il est un petit peu lent et j'ai noté, donc dans le livre toujours de Rostak Eko, une phrase qui m'a fait rire. Euh, de fait, le rythme s'en ressent alors pourquoi il parle de ça oui, parce qu'en gros il dit que l'intrigue elle avance pas parce que personne pose de questions à part le héros principal je vais vous lire parce que les phrases sont intéressantes parce qu'il faut bien meubler autour du court matériau de base pour atteindre la durée syndicale d'une heure vingt le réalisateur et son scénariste composent autour de la vie d'une petite ville à peine industrielle d'humaine Maine. cols bleus bien lourds comme il faut. Alors, il y a des blagues sexistes. Le peu de fois où les mecs euh, parlent, c'est des remarques sexistes. Ces femmes pas trop farouches, ces patrons caricaturaux à souhait, ces petits jeunes qui ne se posent pas de questions, à part quand l'intrigue l'exige. De fait, le rythme s'en ressent et la créature du cimetière peine à cacher son gros ventre mou. Ça m'a fait rire d'imaginer un film avec un gros ventre mou. Voilà. Comme les En attendant, sa descente symbolique aux enfers. Et c'était plutôt bien résumé. Oui. Euh, voilà. Et donc, du coup, avec ces notes 7 et 7 et 8, ça fait plutôt une bonne note tout ça. Bah oui. Bizarrement. Oui. Bizarre. Bah oui, mais parfois, tu t'es déçu en bien. Tu t'attends à rien. Et bam, t'as un truc qui te plaît. Mais pour, parce que avec et... les retours que tu nous as fait à chaud, euh, je m'attendais pas à cette note-là. Oh là là, c'est bah. vraiment un nanar. Euh, il baigne dans son jus. Bah c'est clair, ouais. Hein. Ah ouais, c'est mais un mais bon nanar de l'époque. Un, un nanar, ça peut être très divertissant hein, quand c'est bien fait, mm. euh, quand c'est suffisamment nanardesque. Pour en ne fait, pas être un navet. Une... Oui, c'est des... ça. Avec la, 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 la... La... la frontière entre navet et nanar, elle est... Elle, est... Euh... elle est fine. Tu sais, la... moi, ce qui me fait le plus rire, c'est le... le doublage des nanas un peu badass de l'époque. Tu sais, elle parle toujours avec un chewing genre « Ouais, vas-y »« Ouais !» T'as toujours l'impression qu'elles ont un chewing gum dans la bouche et ça, ça me fait hurler de rire. quoi. Ah, bah, c'est dans son jus, hein. c'est très années... Euh, bah, ouais. C'est début années 90 au Suisse, ouais, à la campagne. Quoi. Ouais, c'est vraiment la signature. Et donc, avec la magnifique note de 22 sur 30, oh. Et ouais, la créature du cimetière arrive, troisième ex -aequo, avec Carrie la Vengeance et l'épisode 2 de la saison 5 de Glee. Il est et juste au-dessus de la part des ténèbres. La part des ténèbres qu'on a vue il n'y a pas très longtemps. Il y a un peu plus d'un an Ah, c'est dur. Il y a presque un an et demi, hein, bah. on l'a vu. Ouais, bah moi, je me souviens, souviens même pas. Le, la créature du cimetière que la part des ténèbres. Je <laughs> me souviens Mais même en termes plus de plus divertissement, oui, effectivement. Euh, voilà, c'est tout pour moi. J'ai à du peu coup, près dit tout ce qu'il y avait à en dire. Fait, euh, tu fais... Ah, bah oui, oui, je recommande. Il okay. ne bah, faut pas avoir peur des rats il ne faut pas être misophone il ne faut pas avoir peur du sang. Certes. Euh, Est-ce qu'on ne lancerait pas le concours pour gagner le bouquin Oui, avant d'attaquer la théorie de Hurd. Je viens, je, je Et on donne Et pour le, le ré... résultat après la théorie de Hurde Et pour le running gag, je vais y participer, évidemment. Maintenant, <laughs> enfin, bah Delphine, je... c'est Hurd qui que a, a gagné le bouquin, avec euh... faut que je me Tu peux connecte participer Oui, tu peux, pour de rire. Après remarque, c'est comme c'est un recueil de nouvelles. Euh... C'est pas comme les autres fois où le gagner ça te. Oui, tu peux quand même lire. Le ça sert à rien. Mm -hmm. C'est que tu peux lire le reste. Oui. Mm -hmm. Ah Alors, mais j'ai re... re... relu le reste après. Meuble, de... meuble 30 secondes. Il faut que je me reconnecte oui. avec. Euh... Alors meuble, je dirais armoire. Euh, <laughs> <des rire> OK, grand poil. Euh, Malme. Malme. Ah. Bien. Euh, ah, mais... ah IKEA. Ikea, ah ok. Euh, moi, je dirais euh, fauteuil. <laughs> Et vous, dans le chat, euh, quels sont vos meubles préférés N'hésitez pas à donner <laughs> votre avis. Pareil sur les réseaux sociaux. Euh, euh, le, le sol peut être meuble aussi, n'est-ce pas Alors, on va vous expliquer ah, pas pendant vraiment. ce temps-là comment ça va se passer. À, mo à un moment donné... Le le stream Non, c'est pas normal. Ah, c'est bizarre, moi je vois toujours. Bah, ça va euh... être que chez Loïlon. Chez Loïlon, ouais. ouais, je pense. L o... L o... L o. Alors, pour... je vous expliquer comment ça va passer. À un moment donné, Julien, il va dire dans le chat à un moment donné. si vous voulez participer, vous devez écrire, et il vous dira ce qu'il faut écrire exactement. Rah. Non, non, c'est point ah. d'interrogation, enter, si je ne dis pas de ah. bêtises. D'accord, je croyais que c'était un mot que tu choisissais. Donc, point d'interrogation, enter. C'est bon, c'est lancé ah, Donc, il ah, faut écrire E-N-T-E-R. Point d ah. Mettre un point d'interrogation et mettre E-N-T-E-R, c'est ça C'est ça. Julien. Ok. Tous bah, ceux qui veulent participer, vous devez écrire ça. Point d'interrogation, oh pas d'exclamation. Oh, Il n'y a que moi, là. Hein. Point d'interrogation. <laughs> sans espace, euh, Delphine, sans espace. Ah, merde. D'accord. C'est compliqué. Vous ne hein. l'avez pas dit. Point hein. d'interrogation. On a tous fait. E-N-T-E-R en un seul mot. <laughs> et du coup, normalement, ça vous enregistre dans la base de données pour le tirage au sort. Ah, Minka est là aussi. Ben, écoute, Minka, puisque tu es dans hey le. Eh, Minka, coucou. Depuis tout à l'heure, sache que je. On mais tous des points d'interrogation. la carte On a dit... postale que tu m'as envoyée comme euh, éventail et elle, elle fait très bien le taf. <laughs> ah, oh. Alors que moi, ma liseuse, elle est pas terrible, tu vois, pour faire l'éventail, c'est. Ouais. Alors, alors, c'est en train de participer. Voilà. c'est point d'interrogation, ta... Pendant qu'il faut. exclamation. Font ça, fait ta... exclamation. Ah Exclamation Alors attends Exclamation ou interrogation T'as dit interrogation exclamation. Ah Pardon, c'est exclamation. Ouais, je... je vais. Je vais. Me je vais... Là, mais... euh, à cause là non, vue... non, avec un euh, point d'exclamation, j'ai eu le message de WiseBot derrière. Ok. Alors refaites en avec point d'exclamation. Oui, Votre participation est bien prise en compte. Je me permets. Oui, rien de... On a un problème d'orage et d'eau qui rentre dans la maison. Du coup, je vais vous passer le relais, couper la connexion le temps d'aller voir à quel point c'est. Peut-être je reviens pas d'ici la fin de l'épisode. <laughs> je ne sais pas. Les aléas du direct. Je continue à faire tourner, vous inquiétez pas, euh, parce que si je coupe, du coup, il n'y a plus rien sur Twitch. <laughs> ah, là, là. Je vais juste couper ma caméra. Euh, désolé, peut-être je reviens tout à l'heure, peut-être non. Euh, Julien, tu prends le relais Bon courage. Ouais, on aime l'improvisation. Euh... On avait dit qu'on la, on, on lance la théorie d'Urde le temps que le, pendant le. C'est ça Et peut-être je serai revenu euh, avant la fin de la théorie de Urd, et Trop sinon, tard, je tu m'as donné les manettes. Tous des bisous. Euh, voilà. Allez, à plus. Bonne eh, chance, bon courage. Hein. Alors, Urde, es-tu prête pour la théorie, le, qui est quand même le, le moment préféré des fans. <laughs> ouais, il paraît, il paraît. Euh, oui, je bois le temps du, du jingle, si tu veux. Du jingle. Magneto, Serge. Au moment où je lirai cette théorie, je pense que nous aurons déjà parlé des multiples interprétations, idées, inspirations que peuvent inspirer un récit aussi ouvert et libre. Certains adorent laisser place à l'imagination, d'autres non. Pour mes théories, je vous avoue que trop de marge de manœuvre n'est pas forcément une facilité, mais plutôt un défi à la liberté. D'ailleurs, j'en aurais pris quelques-unes. Nous sommes à la fin du XVIe siècle, l'épidémie de choléra fait rage sur les terres, extémionnant beaucoup d'habitants, faute d'hygiène et d'eau de javel qui arrivera plus tard. La famille Varnay se partage une petite maison fondée sur deux sous-sols, le premier servant de stockage de nourriture et de fourniture, le deuxième laissé allant à l'abandon car trop humide. Les anciens locataires trouvèrent fort pratique de disposer d'autant de pièces cachées à disposition. Contrebande, prostitution, combat, qui sait ce qu'ont pu cacher ces étages. Mais revenons à la famille Varney, qui envoya leur fils cadet au deuxième sous-sol afin d'explorer de possibles sources de la bactérie. Ils avaient déjà perdu deux enfants et la mère était fort malade. Malheureusement pour Elias, il était le plus indiqué pour un éventuel sacrifice. Ni beau, ni intelligent, rien pour lui en somme. Il y vit les résultats empirés de l'humidité ambiante. Champignons, odeurs lourdes, le genre d'endroit où respirer te donne l'impression d'attraper toute la maladie de la Terre à chaque souffle. Elias rapporta le résultat de ses recherches. Le grand-père expliqua à ses enfants que sous la maison une source était présente. Et tout le monde sait que la présence d'eau sous une maison est redoutée. Le père d'Elias lui commanda d'explorer ce qu'il y avait sous ce sous-sol et construisit une trappe. Elias, transi de peur, descendit dans les ténèbres avec sa, so sa seule lampe à huile. Les peurs de la famille furent confirmées par Elias. La source était bien là, mais empestait la mort. Le père lança quelques vivres et habits dans le coffre gravé de son fils, bien décidé à ne pas faire rentrer le mal dans leur maison. Mais bon, lui donner un peu de bouffe lui faisait se sentir un peu moins comme une progéniture de travailleuse du sexe. Il le somma de sceller la trappe et le fils fut laissé à son sort. Dans cet endroit de mort et de maléfice, seuls quelques insectes, souris, rats et chauves-souris lui tenaient compagnie, entrés par les entrailles de la source, déformés, tarés, immondes et agressifs. Il en fit ses festins et ses esclaves, se transformant lui aussi en créature démoniaque durant les trente ans que durèrent son calvaire. Seule la haine et la vengeance l'animèrent, et lorsqu'il perdut son humanité, rendu à la forme d'un monstre aveugle, rejetant ses propres os, gluant et ne pouvant plus se mouvoir, il demanda au rat d'attaquer la maison. Les rats passèrent dans les interstices des planches, laissant le sous-sol en place pour protéger leur roi. Et arrivés dans la maison, ils dévorèrent les occupants, les vivres, les murs, les plafonds, jusqu'à ce que la maison s'écroule. Ils retournèrent à leur roi lorsqu'il fut satisfait de sa vengeance. À présent, seul comptait sa survie et celle de la source. Une cinquantaine d'années plus tard, une filature fut construite au-dessus des décombres. Loin d'être éteinte, la colère d'Elias était intacte. Et tous avaient faim. Très, très fin. Et c'est la fin. Bravo, bravo. bravo. C'était très bien. Merci, merci. Ça fait un bon préquel à cette nouvelle. J'ai pris pas mal de, de liberté parce que c'était quand même compliqué. Hein. Bah, c'est bien, tu as quand même bien intégré le... la, la, la question ça. de pourquoi il y a cette trappe avec un verrou et cette quête un euh... et une date. Et... Pourquoi Elias, effectivement ben oui. ça, me faisait, ça me faisait assez rire quand Delphine, tu disais que justement c'était quelqu'un qui s'était enfermé. <laughs> Je ne disais pas grand-chose parce que <laughs> c'est vraiment la base de la théorie. Donc, bien vu. Sinon, j'ai trouvé euh, un truc avec quoi m'éventer dans ma chambre. <laughs> <laughs> c'est avant volontaire, c'est le premier livre qui était dans la table de chevet. Mais il fait si chaud que ça à ville C'est hyper lourd, il y a un orage qui est en train de craquer là, c'est horrible. J'ai fermé les fenêtres parce qu'autrement on entend la rue. Et du coup, ah. j'étouffe là. Je suis dans la chambre okay. à la porte fermée pour pas qu'il y ait les bruits de la maison non plus. Et... Il fait lourd, effectivement. Il fait lourd. Ok. Euh, on va passer au sujet suivant, qui sont les questions, si je ne m'abuse. Oui, euh, si tu as le résultat des concours, du concours, pardon, des concours ce concours serait pas eh mal. Bah, ça, ça, on peut le faire tout de suite. Il faut le clôturer. Mmh. Allez. Parce qu'après, il y aura l'autre. Alors, comment je fais pour choisir quelqu'un <laughs> Ah, tu choisis. Ouais. <laughs> hey ça tombe sur toi, tu sauras pourquoi. Euh, alors... Il faut que j'ai chercher la... la commande. On va prendre une personne qui est présente toujours. Hop. Si je fais ça, est-ce que ça marche Et ben voilà. Loylon, c'est toi qui as gagné. Et bravo Loylon. Bravo. bravo. J'ai pour toi une foule en délire. Ouais! <laughs> Euh, voilà, euh, du coup je peux lancer le générique pour les questions ou il y a d'autres trucs euh, Oui, il faudra juste caler le deuxième concours, mais on peut le faire à la fin je pense. Ce ben, sera après le générique, enfin, après le jingle des questions. Et là, c'était Pomme qui gérait les questions, c'est ça? Eh ouais. Mais c'est pas grave. Allez, je me lance sur le Discord de Podcut. Juju Pink qui nous dit C'est parti, mon kiki, pour une nouvelle aventure. En découvrant la trappe, seriez-vous descendu? Prenez soin de vous. Non. Alors? Non. <laughs> une fois la trappe ouverte ou quand elle était encore fermée? Non, je dirais déjà dès qu'elle est fermée, moi, je ne serais pas allé voir. <laughs> J'aurais laissé quelqu'un d'autre l'ouvrir. <laughs> Mais, mais une fois qu'elle est ouverte, tu descends non. <laughs> non. Il y a des blattes, je ne descends pas. Ah non, euh, ce genre de truc, c'est non. Non, 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 non. Non, non. <laughs> euh, je, je réfléchis, mais non. Euh, même avec euh, ma peur de rien, euh, je ne pense pas que je serais descendue. Ou alors, genre en armure, tu vois. <laughs> avec euh, 30 pompiers, enfin, voilà. Euh, mais sinon, non. C'est trop. Tu te cherches juste une excuse pour faire venir les pompiers, quoi. Ouais, aussi. <laughs> non, mais Bravo. là, c'est trop, en fait. C'est too much. Bah, surtout dans les conditions où ils sont, sans, sans aucun équipement, euh, juste ouais. un gros tuyau d'arrosage et une ah lampe. oui, c'est à l'arrache. Hein. Ouais, puis c'était ouais. déjà immonde avant la trabe, donc... Euh... Ben bah, ouais. Là, ils la ont pis, pas eu le va... La lance, ça ne va pas nettoyer, quoi. Enfin... Ça repousse, bon, ça, mais ça, euh, ça, ça va, repousse. Ça, ouais. ça, ça va, si, ça va tuer un peu. C'est quand même ça te fait ça, un... très puissant, ces saloperies. Hein. Ça te fait un rayon de sécurité ouais. Ouais. <laughs> Bref, personne n'est très chaud. Hein, vraiment, non. Euh, on n'a pas envie. <laughs> non. Question suivante de Duralex. Hello l'équipe. Étant donné que King part très souvent d'une situation qui lui est arrivée dans cette nouvelle, ma petite question, à partir de quelle situation ou souvenir personnel pourriez-vous partir et écrire une histoire d'horreur Ça, c'est le genre de questions, ça mériterait qu'on les lise avant pour pouvoir y réfléchir un peu. Alors, moi, j'avais, euh, quand j'étais petite, j'avais 7-8 ans, on a déménagé dans une vieille maison des, des années 30. Et euh, j'ai surpris une discussion de mes parents avec des amis qui racontaient que l'ancienne propriétaire faisait des séances de spiritisme et qu'il y avait une petite fille qui lui avait répondu. Et peu de temps après, j'ai découvert dans une armoire qui était là dans la maison des choses gravées avec le prénom de cette petite fille. Que j'ai complètement oublié maintenant, mais il était marqué le prénom de cette petite fille et j'étais sûre de jamais l'avoir vue avant. Ah mais t'étais dedans, dedans en fait, voilà. déjà dedans celui-là. Triste, <laughs> <laughs> j'étais la petite fille. <laughs> et donc voilà, je pense qu'à partir de ça, il y a moyen de broder. Surtout que c'était une vieille maison avec des recoins, notamment euh, à l'étage. La chambre était au deuxième étage, sous les toits, et sur le palier mmh. en face qui n'était pas aménagé, il y avait juste des grands placards avec des grandes portes coulissantes. C'était euh, horriblement sombre au fond. Et euh, à chaque fois que je passais devant, j'avais toujours l'impression d'entendre des bruits, d'entendre des choses qui bougeaient. Et je pense qu'à partir de tout ça, il y a moyen de faire un truc. Clairement. Mm -hmm. Moi, je réfléchis, je vois pas. Alors moi, je euh, pense, mm. ça m'arrive régulièrement d'aller marcher seul à la montagne. J'ai Goldman début. là, c'est pas grave, c'est. <laughs> <laughs> Ta Goldman. Goldman, Jean-Jacques, ah. qui marche seul. Pardon, bah non, mais faut faire, faut, faut faire les rêves. <laughs> oui, oui. <laughs> et, euh, et donc, bon, l'été, ce serait un peu classique, mais en fait, l'hiver, euh, bah, je marche en raquette. Et en fait, euh, bah, quand vous marchez en raquette, euh, la nuit dans la montagne, euh, vous, vous entendez plein d'animaux. Et en fait, parfois, euh, moi, je me fais des, des auto-flips parce que mes bâtons, en fait, quand vous plantez des bâtons dans la neige, ça fait un bruit, comme s'il y avait une bête qui faisait un... Enfin, comme s'il y avait un animal qui faisait un bruit un peu bizarre. Mm -hmm. Je sais pas comment le dire, ça fait, ça fait un peu comme le bruit du ça renard. Ça fait scrunch, scrunch, scrunch mm. derrière toi, c'est ça Ça fait un écho Et du coup, tu as l'impression qu'il y a quelque chose derrière toi. Donc, parfois, je me retourne, je vois rien, puis je continue. Et tu, Et tu marches en plus fait, vite, avec quand même. T... C'est avec tes bâtons. Non, parce qu'au bout d'un moment, tu le sais, quoi. C'est que c'est tes bâtons euh, qui ouais, font ouais, le bruit, mais... Mais, mais je me dis, ça pourrait être un bon début de... Un peu comme duel là, de Steven Spielberg avec le camion qui te poursuit. Mais là, c'est plutôt le... un mec en raquette une bête <laughs> qui le poursuit. <rire> <Dieu>. <rire> voilà. Pas mal. dur est-ce que tu quelque chose Oui, j'essaye de, de trouver quelque chose de pas trop cringe. Euh, moi, ce serait plus pas forcément d'horreur. Euh, mais euh, j'ai eu une, une période suite à un accident où tous mes souvenirs se sont mélangés et où mes rêves se sont mélangés à mes souvenirs, donc je me retrouvais euh, souvent avec des situations que je ne savais pas si elles étaient vraies ou fausses. Donc je pense que ça pourrait être un pitch intéressant pour faire un film. Euh, voilà, mais pas d'horreur du coup plutôt. Euh plutôt psychologique, quand tu sais plus ce qui est vrai ou pas en fait. Ah, okay. non, mais ils l'ont fait ça dans The Father, où le, le père de, le, du personnage principal a, <coughs> a une maladie dégénérative, dite Alzheimer. Et toute une partie, désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais euh, toute une partie du film, on suit des choses. Et au bout d'un moment, on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas vraiment ça qui s'est passé, qu'on a vu le point de vue du père, on voit le point de vue de la fille, et on ne sait pas réellement euh, distinguer le, le vrai souvenir de... Mm. Le, de la vraie anecdote. Okay. Oui, c'est fort possible. Et d'ailleurs, de toute façon, euh, scientifiquement, les souvenirs, c'est assez compliqué parce qu'une partie est vraie et une partie est fabriquée par ton cerveau. Donc, il euh, y a de quoi faire. Coucou. Donc voilà, plutôt quelque chose comme ça. D'accord. Bah, écoute, moi, je rien trouvé. Du coup, je propose de lire une de celles du chat. C'est Loylon, justement, qui nous dit... Oui. Un jour, quand j'étais petite, je jouais avec une balle de tennis dans mon salon. Je l'ai jetée en l'air et elle n'est jamais retombée et je ne l'ai jamais retrouvée. <laughs> elle avait traversé le plafond. Ah ouais, est... Elle quoi coincée au-dessus d'un meuble. <laughs> je crois qu'il y a une personne qui est revenue. Oui. Oui, mais je préfère faire comme si j'étais pas là, j'ai bien compris. Et non, mais j'en suis fais comme genre, si genre... jamais parti. Mais voilà, j'ai essayé d'être discret. J'aurais dit Et toi, Pomme, quelle est ton anecdote qui pourrait servir à un début de d'histoire d'horreur Ah ben j'en ai une. Ah, eh ben voilà, j'en étais sûre. Quand euh, mon petit cousin, qui maintenant a 12-13 ans, était petit, je ne sais pas, il doit avoir 2 euh, ans et demi, 3 ans, à chaque fois qu'il venait chez mes parents, euh, j'habitais chez eux à ce moment-là parce que je bossais dans leur coin, à chaque fois qu'il venait chez mes parents, il me cherchait parce que euh, du coup, je, je lui laissais accéder à mon ordinateur, on faisait un petit jeu, un petit truc comme ça ensemble, et donc il venait pour jouer à mon ordinateur. Et euh, alors, avant comme ça de dessus, il avait 3 ans, hein, c'était genre des jeux qui duraient 15 minutes et puis ça s'arrêtait là. Et en fait, systématiquement, il me cherchait, il allait vers ma chambre en disant Marie. Oh là là et donc, j'étais autrement... dans la douche, j'étais dans ma chambre, j'entendais Marie avec sa petite voix d'enfant de trois ans. Tu, tu fais ça bien. Tu ça, 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 des ça. petits frissons, rien que des. Ouais, ouais. Et voilà. Et vraiment sur ce ton. Hein, c'était, c'était pas le Marie, mais c'était vraiment le Marie. Donc voilà, c'était mon anecdote. Très bien et eh ben merci. Ça, ça passe. J'ai eu aussi mon petit mon petit garçon qui avait euh, deux ans un truc comme ça où je, euh, je vais lui dire bonne nuit euh, ça faisait un moment qu'il était couché mais il dormait pas donc je vais le voir le, le calmer je vais faire mes sous, je dis bonne nuit je fais ça va aller tu vas bien dormir tout, oui c'est bon il y a le monsieur qui me qui veille sur moi en regardant euh, derrière moi <laughs> et j'ai flippé j'avoue j'ai flippé oui. oui je comprends et c'est qui alors le monsieur qui veille sur toi personne il n'y avait personne. C'est un porte-manteau. C'est les enfants. Tu... <laughs> ah, je ne serai pas sûr, hein. Ah, Bizarre. Ah. Euh, du coup, on a ah tiré au sort. Qui c'est qui a gagné C'est Loylon qui a gagné. Ah, ouais. oui. Et du coup, vous avez lancé et... pour Charlie Pas encore. Non, pas encore. On t'attendait. C'est oh, gentil. Euh, et sache, euh, Telex, que non, il euh, n'y a pas beaucoup de gens que je croise quand... là où je vais marcher. C'est très... très sauvage. Ah, pardon. T'étais pas là quand on parlait de raquettes. T'as mmh. raté ça, ça marche. Mmh. Alors, Cypheress sur le Discord Podcut, mes cartes de filles à la même question sur Twitter. Avez-vous déjà fait des posts de nuit, de nuit Et si oui, des anecdotes Julien, on l'a déjà eu. Moi, j'ai fait des inventaires en supermarché, mais rien de. Rien de particulier, quoi. C'était compter des boîtes de conserve, ça a jamais fait rien de fantastique. Euh, j'ai fait des. Si moi j'ai fait du job de nuit, c'était les mises en rayon. On recevait le frais et le surgelé dans, dans les magasins type promo cash. Mmh. Et on en a empilé des, des cartons de frites à 4 h du mat pour que <laughs> ce soit prêt à l'ouverture. On en a mis en place des, des rouleaux de kebabs congelés. <laughs> Moi j'ai été. Et t'avais euh... les fruits et légumes aussi, parce qu'il y a. Pareil, qu il pareil qu'il y a régulièrement des migales et compagnie. Ah, nous on faisait que le frais et le surgelé. On était contents. On faisait que frais et surgelé. On était à moins 18. à moins 18 en t-shirt dans les, dans les congélos. J'allais dire, ouais, les congélos ça vénère Ça déconne pas. Moi j'ai été veilleuse dans une maison d'enfants euh, de, de gamins euh, qui sont placés. Et euh, voilà, j'étais veilleuse, c'est-à-dire que quand tout se passe bien, tu passes la nuit à pas dormir et puis c'est le matin et tu rentres chez toi. Mais euh, notamment avec les ados, quand on a une qui essaie de fuguer, une deuxième qui a décidé que sa vie était mieux ailleurs, une troisième qui a décidé. Tu passes des nuits un peu funky. Mmh. Je sais pas si je préfère les ados la nuit qui ont un avis <laughs> sur leur vie, tout ça ou euh, le boulot de Hall dans son, <laughs> dans son usine. <laughs> ah, tu <visites>. ah oui <laughs> Julien, du coup, parce que je pense que... Je ne suis pas sûr, en fait, que tu en aies déjà parlé. Il me semble que... Tu... Non, non, j'en ai mmh. pas parlé. Je me suis dit... Bah, alors, du coup, j'ai refait mon CV dans ma tête. J'ai ouais, non, non, ce ce tu... eu l'impression qu'au début, euh, début de l'épisode, tu parlais d'un truc, mais ça... Euh, quand tu t as, t as, quand as travaillé en usine ah oui. Qu'on t'appelle l'intellectuel parce que t'as le bac, quoi. Mmh. Mais euh, non, j'ai jamais. Le, le j'ai travaillé genre en restauration et tu finis tard. Euh, j'ai travaillé au service des plages où tu commences tôt pour euh, nettoyer la plage à 6 heures le matin avec ta, ta pince là pour ramasser les mégots genre le mmh. truc. Mais la nuit même, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà euh, taffé. Okay. Alors, euh, pour ma part non plus, pas de taf de nuit, mais je pense que effectivement, ça doit grouiller d'anecdotes plus ou moins rigolotes. Ouais, non, clairement. Après, euh, bon, c'est. Euh, ma mère a travaillé de nuit pendant dix ans en enquête soignante dans une maison de retraite. Je ne recommande pas. Euh, mmh. C'est généralement là où tu es un peu en sous-effectif, quoi. Mmh. Donc, euh, tu as moins de chances qu'il t'arrive une merde, mais quand il t'arrive une merde, c'est un peu plus compliqué à gérer. Ouais. D'ailleurs, j'ai une question qui me taraude depuis euh, ouh, bien dix ans et qui m'a été confirmée par des, par des travailleurs de nuit c'est que 3 heures du matin est toujours une heure compliquée ah, et je n'ai les... jamais saisi pourquoi 3 heures du matin. Moi, voilà, donc si quelqu'un a une réponse. En termes hein. de fatigue, c'est le 4-5 heures. On non, au niveau des autres gens pas enfin, des, des problèmes oh, mais voilà. ça doit être pareil c'est le moment où tu commences à être fatigué où plus personne mmh, n'a ouais. de patience plus personne ne fait attention il pas loin de ouais, la alors fin quand même et donc euh... c'est mmh. possible hein, mais c'est euh, c'est intrigant ça m'a toujours intrigué parce que c'est aussi une j'ai eu une période où je me réveillais toujours à 3 heures du matin donc ça m'a je trouvais ça très bizarre voilà donc si quelqu'un a une explication plus ne serait-ce que Vrai ou non, je le prends. un physique, quelque chose qui fait que. Bizarre. Mm -hmm. Non, moi je te dis, je pense que c'est ça. C'est Tout le monde commence à être plus fatigué, donc t'as ah, ouais, moins mm. de patience, moins de. <coughs> voilà. Alors, toujours sur Twitter, DJ Parangon, qui est... Paragon, qui est aussi dans le chat. Qui d'entre vous a déjà nommé un de ces animaux de comp. Non, ok, je déconne. Ma question <laughs> quel roman du roi avez-vous lu le plus rapidement, tellement vous étiez absorbé par l'histoire pour moi, c'était ça, les trois tomes en trois jours en 94. C'était aussi mon premier King. Alors moi, j'ai une réponse facile parce que je me, je me revois encore le lire. C'était ça aussi, mais moi, j'avais j'avais emprunté en, en, à la bibliothèque l'édition la, intégrale qui devait faire à la taille de qui ressemblait, je sais pas à un énorme pavé. Un qui pavé 000, oui, oui. Les 1200 pages en un seul tome et que mmh. je me vois là, encore à lire la nuit sous ma couette oui. euh, avec ma petite lampe de poche. Il ne m'a pas fallu beaucoup de temps et il m'a fallu peu de sommeil aussi. <laughs> ouais. ouais, moi, je vais me répéter, mais c'est bazar que je me souviens effectivement à dos, à Manche. J'étais absorbé et que euh, quand on le relira, je ne sais pas ce qui va se passer. Mm -hmm. J'en ai un souvenir sûrement trop, euh, trop bon. Ça dépend. Regarde, Pomme, elle a aimé relire euh, Charlie. Charlie. Ouais. Attends, Tu seras bien prochain épisode là. Ah ben ouais, non mais oh. <laughs> Je pense que Bazar, Bazar tu seras contente de le relire. Moi, je l'ai relu assez régulièrement. Je l'aime toujours autant. Bazar eh les Je verrai, ouais. Mais c'est vrai que. Celui-là, je m'en souviens Parce que comme toi, c'était vraiment un peu euh, lampe de poche dans le lit et tout. Donc, euh... Mais je les ai tous à peu près lus comme ça, moi, les kings. C'était euh, cacher la lumière quand mes parents sortaient le chien. Or, euh... Remettre la lumière après correctement, lire jusqu'à 2-3 heures du mat, pas dormir en cours des géographie le lendemain matin. <rire> <rire> mais euh, je pense que le, celui que j'ai pardon vas-y Marie. Non non fini bah non t'avais commencé. <laughs> euh, celui que j'ai lu le plus vite je pense que c'est Cimetière où j'ai pas lâché avant la fin. Euh, mais par contre ça je l'ai lu aussi je crois que s'il y avait un concours à faire entre les deux ce serait dur de les départager. Et mais ça moi ce que je retiens c'est qu'à cause de ce film là je n'arrive ce livre là pardon je n'arrive plus à dormir avec des portes ouvertes, je n'arrive plus à dormir avec les pieds en dehors du lit, et <laughs> pendant que je le lisais à dos, je le mettais la couverture contre la table de chevet et du poids sur le bouquin. Ah ouais, excellent. Ah ouais, <laughs> J'étais vraiment embarquée dans le bouquin. Parce que je... Une génération de Donc... traumatisés. C'est ça. <laughs> Entre le bouquin et le téléfilm, ouais. Le téléfilm, genre... je l'ai vu que récemment, je ne l'avais pas vu avant. Ça doit faire ah. 4-5 ans que je l'ai vu. Je ne voulais pas le voir, j'avais trop peur du, du Pennywise tel qui est ouais. présenté. Euh, D'ailleurs, je crois que tu n'as pas le, le chat, Delphine, mais Minka te dit euh, Ton anecdote avec ton môme me fait fort penser à une nouvelle du vieux mais bon recueil Histoire de fantômes. Ah, je ne pas vu. La grande anthologie du fantastique. Okay. Je ne sais, sais pas si tu avais ça. Je ne connais le pas non plus. Non, plus. Donc, euh... non je pas... ça fait un moment que je ne l'avais pas lu. Ouais. Alors, Pomme Moi, c'est c'est compliqué parce que, comme je dois prendre des notes, euh, je mets forcément plus de... Es en train... Je vois juste un moignon de bras, en fait. Je vois pas ton bras, euh, Julien. <laughs> je je coups, vais je lancer te... le, le deuxième tirage au sort. <laughs> ah, moi, je voulais répondre à la question. Alors. Vas-y, vas-y. Bah, réponds. C'était -ce que... hein. new. C'est bon. Vous pouvez retaper Enter, point d'exclamation avant. Et Pomme nous livre son anecdote. <laughs> du coup... Je sais pas trop lequel répondre parce que je dois prendre des notes en même temps. Ce que j'aurais aimé ne pas prendre. Enfin, ou que j'aurais pu lire rapidement, c'est Élévation. Et Élévation euh... que j'ai lu rapidement et que j'aurais aimé qu'il soit plus long. Et Marche ou Crève, je l'ai lu vraiment. En plus, c'est pas moi qui ai mmh. fait le résumé pour Marche ou Crève et je l'ai lu euh, tout ce que j'ai pu, quoi. Je l'ai lu dans les transports en <laughs> commun, le soir chez moi, en marchant. Euh... Je pense que c'est les deux que j'ai le... lu le plus vite. Le plus vite. Charlie, je l'ai relu vite, mais en fait je l'ai écouté, donc c'est pas pareil. Et puis j'avais que ça à faire puisque j'avais le Covid. Et euh... mais je vous en parlerai dans le prochain épisode. Et... Attends, et je me demande si le dernier tome de la Tour Sombre, au final, il a, je l'ai pas lu quand même assez rapidement au final, malgré le fait que j'ai à prendre des notes. Je sais plus. Bon voilà. Euh, je dirais élévation, élévation et Marche ou Crève. Les deux. Mmh. Mmh. Élévation, quoi. J'en je, euh, profite. Une... <laughs> vois, là, là, je me disais tout à l'heure que je le relirais bien, en fait. J'ai vraiment <laughs> tellement aimé l'ambiance de ce livre que. J'en profite pour lire les réponses du chat. Donc, Minka nous dit Charlie. Non, Char... euh... non Minka elle veut qu'on fasse le tirage au sort pour Charlie. Ah, ça, pardon! En fait. <laughs> Non, bah, bah, elle l'a dit deux fois, donc je me suis dit oui, que c'était euh, pour Charlie, le livre plus. Charlie, euh, <laughs> Charlie, Charlie. Euh, Telex, ou The Lex, excuse-moi, futur roman de King la troisième heure. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles, je t'avoue. C'était par rapport aux trois heures du matin, je pense. Quand tu parlais. Ah, de ah une pour, pour faire, faire une, une théorie, d'accord. Mmh. Euh, L'Oilon nous dit cimetière. Euh, bah. The Lex Dreamcatcher, Mink a aucune idée, il y en a peu que je n'ai pas rushé. Euh, Gali in the Sky nous dit Christine et je crois que c'est je... tout. Oui. Merci à vous pour vos avis. Et moi, oui, ce qu'on me demande mon avis. Ah pardon, <laughs> je t'ai oublié. Je suis terriblement déçu, Urde, que tu m'aies oublié déjà. Oui, je, je suis désolée, mais c'est <laughs> Je... Oui, tu avais lancé le concours et j'avais peur de rater euh, les gens du chat, en fait. Non, mais t'inquiète, il a pas de problème. Euh, J'en ai trois qui me viennent en tête. Euh, cimetière, effectivement, que j'ai eu très vite euh, quand j'étais ado. Le fléau, bien sûr, que j'ai lu. Quand, quand Delphine, tu me parles de lampe de poche sous la couette. Euh, alors, euh, moi, je n'avais pas une lampe de poche. J'avais réussi à monter une lampe de bureau dans mon lit parce que je dormais dans un lit superposé. Bref. Mais euh, j'avais le lit superposé. Hop, la lampe et la couette par-dessus et j'arrivais à pas mal lire c'est ce que ma mère débranche la lampe chaque soir pour me dire maintenant <laughs> ça suffit et euh, dans les récents que j'avais pas lu à dos euh, shining je l'ai lu extrêmement vite aussi parce qu'il n'est pas très gros et que enfin voilà il est extrêmement bien écrit je pense que c'est un des, un des meilleurs euh, toutes catégories confondues de, de king et, et j'ai dû le lire en trois jours à peine. Quoi. Et moi, je pense que j'ai enchaîné Charlie et Shining dans la foulée. quoi. J'ai dû le lire en quelques jours les deux d'affilée aussi parce que c'était bon. Je comprends. Je comprends tout à fait. Allez, on continue. Sur Facebook, Vince Meyer. Salut à tous. Dans le même recueil, avec les mêmes inspirations, du coup, vous avez préféré Poste de nuit ou celui qui garde le verre si vous ne vous souvenez pas, c'est qui le plus fort, un rat énorme ou un ver géant Merci pour ces heures de divertissement. Celui qui garde le verre pour mes mots, on l'a enregistré il y a un an, tout pile, quasiment. C'était soit en août, soit en septembre de l'an dernier, avec euh, David qui fait le podcast les yeux clos et qui a fait ouais. la fiction euh, quelque chose pour Podcut. Excellente fiction, selon mon avis. Que vous devriez aller écouter. Euh, okay. que... Moi, j'ai préféré celui-là parce que l'autre, euh, déjà, j'ai lu en même temps la version de Lovecraft, puisqu'il y a une version, enfin, euh, c'est très, mmh. très inspiré d'une version de Lovecraft euh, qui raconte un peu la même histoire. Que du coup, j'arrivais plus à savoir qu'est-ce que j'avais lu, dans quelle nouvelle, et que j'ai pas compris la moitié du truc. Enfin, ça partait trop. Euh... Bon, voilà. Je préfère celle-là. Personne, okay. j'arrive pas. Pas à départager parce que celui qui garde le verre, la théorie que j'avais faite m'avait vraiment fait plaisir hein, parce qu'en gros c'est le point de vue du verre qui est gentil et euh, j'avais beaucoup aimé cette, faire cette ouais. théorie et euh, par contre qui est le plus fort le, le rat énorme ou le vert géant pour moi c'est clairement le rat énorme parce qu'il a une armée en fait donc euh, donc il flingue le vert géant voilà alors qu'en fait c'est l'hippopotame tout le monde le sait mais bon en plus. <laughs> Moi, je sais pas. C'est vraiment pas du tout la même ambiance les deux au final. Je trouve que même niveau inspiration, c'est pas la même chose. C'est plus frontal dans euh, dans poste de nuit que dans celui qui garde le verre où le mystère un peu devient. Enfin, c'est l'ambiance L'ambiance, il y a une dégradation de l'ambiance, mais c'est pas la même finalité. Donc euh... Peut-être quand même plutôt Poste de Nuit, parce que c'est vraiment celui qui m'avait le plus marqué. Quand j'ai lu Celui qui garde le verre, je ne connaissais pas Cimetière, je pense, donc je ne savais pas, de... pas qu'il y avait un rapport jusqu'à jusqu beaucoup plus tard. Toi, Delphine, tu l'as lu, Celui qui garde le verre Oui, ouais, je l'ai lu et euh... j'ai un peu du mal à... Pour moi, ce n'est pas du tout la même... Le... la même histoire, la même ambiance, voilà. donc j'ai un peu du mal à... Oui, puis c'est lié, en fait. euh... lié avec... Euh... Avec quel Salem. autre roman déjà avec, voilà, Salem. avec Salem. Salem, oui. Oui, tu as dit cimetière, Salem. C'est oui. ouais, ouais. pour ça, j'étais ouais. perdu là, oui. Ouais. Ouais. <laughs> ça, Donc, je pense, ouais. je sais pas si tu as lu Salem, mais c'est Salem aussi. Et ah okay, C'est voilà. pour ça aussi que Poste de nuit, je n'arrive pas à le relier à un autre euh, bouquin. Alors que quand j'ai lu celui qui garde le verre, j'avais Salem en tête et c'est pas du tout le même euh, ressenti mm. du coup. Ok. Donc on est tous mais plus tu... sur poste de nuit. Et toi, Julien, ouais, j'ai l'impression. Moi, je... ouais, Julien n'a pas. Laura, clairement, Laura, j'ai aucun souvenir de celui qui Garde le verre. Euh... Ouais, mais c'est ça pareil. Le côté épistolaire est un peu plus compliqué, mmh. je pense aussi. Euh... Oui. Oui. Ok. Alors, on finit Instagram. Il nous reste trois questions. Allez. Ouais. C'est Jérôme qui. Je <laughs> sais pas si. Je sais pas si. Je sais pas si. grand poil. Non. <laughs> Alors... J'ai la ref. Ouais. Bonjour à toute l'équipe et bravo pour votre podcast. Vous êtes géniaux. Ma question, pensez-vous que si vous pourrez faire un livre style Houdonit comme la reine Agatha aussi ça, Je comprends pas la question. J'ai besoin de la ref, effectivement. Bah en gros, le Houdonit, c'est un Mais déjà, style tu de... C'est ce qu'un Houdonit, ouais voilà. ouais, voilà. Non. Bah Delphine, peut-être... Euh, je pense que là, on a, là, on a la spécialiste. <laughs> non, <Oui>. non. <laughs> je suis la pour moi, vous tenir, c'est qui a fait ça Trouver le coupable Un bouquin d'enquête ouais, Un vrai. bouquin d'enquête, ouais. Euh, en gros, il y, y a un meurtre je trouve, qui a tué Et euh, Je vois pas... Euh... Et Agatha, ouais, c'est Agatha Pour ça, bah, évidemment. Qui d'autre Il y a Steve Wu <laughs> ouais. et Agatha Mais Steve Wu, il... Steve Wu, c'est Agatha Wu. Wu. Il écrit tellement de tout que pourquoi pas au final mais est-ce qu'il en a pas déjà fait Mais pas, pas du même style hein, parce que peut-être pas je que... Que... il n'y a pas de policier. Il a, pas... non. Si, il a du... si il y a du policier. Si, si, mais mélangé à autre le... chose. On va, va dire il y a du Star policier, Mercedes. avec la trilogie Mercedes euh, ah. c'est du policier. Par contre ah, l'ai pas, pas lu pas... Non, hein. ah. pas non je sais pas. C'est pas à c'est pas Mais Delphine c'est lui qui m'a offert le tome 1 de cette trilogie et tu l'as pas lu Ah oui pour mon anniversaire oui, je sais bien mais je ne l'ai pas lu. OK. Moi, je ne l'ai pas lu non plus. Il euh, y a du, y a du, du policier, mais il n'y a pas ce style-là. Et, et en roman, je n'ai rien qui me vient en tête. Du coup, peut-être que dans une nouvelle, il aurait peut-être tenté l'exercice, mais ça ne me dit rien mmh. non plus. Je ne crois pas. Non, ça ne me dit rien. Et euh, moi, je, moi, je me dis qu'il pourrait le faire, mais peut-être pas sous, euh, sous le nom de Stephen King, parce qu'il est trop attendu sur du, du, du qui fait peur. Et euh, tu ne fais pas du qui fait peur quand tu fais de du, du l'enquêteur. Bah, tu peux. Ouais, ouais mais du je coup, c'est... Cri Christian, en fait, pas un du net. coup, il s'appellerait Christian Agatou. Et euh, <laughs> par exemple. <laughs> et non, mais le truc qui pourrait ressembler plus à une enquête qu'on ait lue, c'est la Tour Sombre, tu vois. Pour savoir final, ce qu'elle existe Qu'est-ce qu y a dedans Etc. Ouais, mais. Ouais, mais c'est pas. Mais c'est pas voilà. un wooden hit. Voilà. Oh. C'est pour ça que je disais, c'est livre... mélangé à d'autres styles en fait. Ouais. Mais les livres de King, t'es jamais en mode. Qui a fait ça C'est plutôt mmh. comment ils vont s'en sortir C'est ça la question oui, à laquelle tu oui, réponds. En en fait, disons... euh, c'est quoi ce bordel Ouais, en fait, mmh. tu sais limite qui a fait dès le départ. Et ouais, le but, c'est juste de chercher euh, comment ça va être encore plus la merde. <laughs> mmh. Donc ouais, je pense qu'effectivement, il n'en a pas fait. Non, mais je pense qu'il pourrait. Voulait, il pourrait, parce qu'il peut tout mmh. faire. Question suivante de LM Jade. Alors, bonjour, bonsoir. Ma question est, roulement de tambour, lequel des livres de Steven vous mettriez dans votre top 3 Je vous laisse débattre. Alors, moi, j'ai envie de lui répondre simplement en disant qu'on l'a déjà fait ça dans plusieurs épisodes, on nous a déjà posé la question, qu'on a déjà galéré à le faire. Et que par contre, peut-être que, euh, que Delphine pourrait nous répondre, mais nous, on va peut-être pas y retourner encore une fois. Mon top 3 de... de Alors, figure. déjà, attention à ce que tu vas dire. Sans te mettre aucune pression. Alors... Euh, je commencerai avec. mais bah, j'en ai déjà parlé ce soir, hein, mais je commence avec Carrie parce que c'est le premier que j'ai lu, que je l'ai lu. C'était mon livre à lire quand j'étais en, en déche de bouquin, donc j'ai dû le lire très souvent, et que je, à un moment forcément euh, ado, une jeune, une jeune, ado qui, euh, qui se retrouve un poil dépossédée de son corps et de sa connaissance d'elle-même par tout ce qui est en train de lui arriver, ça me parlait forcément. Même si je ne me suis pas mise à faire tomber des pierres du ciel, hein, mais. Mais est-ce qu'il y a des moments où je n'ai pas eu envie parfois Si <laughs> que j'ai justement. Clairement. Il y a des moments où si j'avais pu le faire, je l'aurais fait avec plaisir. Quoi. Et puis même le côté euh, harcèlement par les autres, ça me parle complètement. Quoi. Je m'identifiais <laughs> complètement une à Carrie. À à tout... euh... Complètement. <laughs> enfin non, j'étais. Euh... La personne de côté, qui était Bill. C'est ça. Vrai. Donc il y a Carrie en premier. Ensuite, que j'ai beaucoup aimé, bah ça forcément, ça mais pour moi ça, me fait partie de mon top, c'est clair. Et le troisième, j'hésite, j'hésite parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas relu depuis longtemps et je pense qu'il y en a peut-être certains que j'ai un peu idéalisés, il y en a d'autres que j'ai juste oubliés alors que j'avais dû bien les aimer. Mais je mettrais peut-être Dolores Claiborne. J'avais oublié qu'on l'avait fait celui-là, tiens. Oui. Ouais, bah, Julien de... est totalement d'accord ouais. sur Dolores Claiborne bien sûr <laughs> bah, il fait pas partie de la trilogie féministe si si bien sûr <laughs> bah si justement <laughs> la fameuse c'est bah, Jessie Christine. De... Jessie de... ah oui Christine <laughs> Chris, bah oui Christine en, en vrai le troisième de cette trilogie féministe avec des gros guillemets on l'a pas encore lu c'est hum? quoi c'est Rose Madder Rose Madder, ouais. ouais Rose Madder bien aussi Rose Madder bah j'ai bien aimé aussi eh ben, merci pour ta réponse Delphine. Allez, la dernière de Antoine Abéi. En entendant des petits grattements la nuit, on y va ou on se cache sous la couette Moi je ne sors pas du lit. Alors moi j'ai vécu ça euh, l'année dernière, <laughs> il y a deux ans, dans cette maison justement. Ah. Et, euh, et en fait on avait un rat dans la maison. Donc euh, bah, si tu veux quand entends des grattements et puis que tu te rends compte que le chat est sur le lit. Tu te dis, il bah, faut qu'on aille voir quand même ce qui se passe. Quoi. Donc, tu allé le deux... chat, c'est son taf, nom de Dieu. Non, le chat, euh, <laughs> il, a, il est allé renifler le rat et quand il a vu que le rat bougeait pas, il est reparti faire sa sieste. Un chat, ça, ah. un chat ne s'attaque pas à quelque chose qui lui paraît trop gros. Hein. C'est pas un chien oui, de garde. j'allais dire. C'est euh, pas un chien euh, de garde. Et euh, il faisait la moitié du chat, euh, à peu près. Et du coup, euh, bah, c'est pour ça que je me suis absenté c'est que Monsieur Pomme devait enlever la plaque où, par laquelle les rats passent. Justement, <laughs> tout à l'heure, parce ah, qu'on hum. avait trop d'eau, que ça se remplissait, qu'il fallait aller nettoyer. Bon, je suis allée l'aider. Et euh, bref, euh, donc voilà, donc Mais moi j'y suis allée. J'y suis allée euh, parce qu'il fallait bien. Et, effectivement, on avait des, des crottes de rat partout. On a coursé le rat dans la maison, il a pété des trucs, puis il a disparu. Et puis euh, on... deux jours après, on a fini par le faire sortir. J'ai fini par le <laughs> faire sortir de la maison. <laughs> Voilà. Ça t'a fait comme les, les araignées, tu sais, le, le pire c'est quand tu la vois plus. <laughs> oui, c'est ça, elle est où Non mais il y a eu une. Parce que ça a duré trois jours cette affaire où vraiment on le trouvait pas, à se pas savoir s'il était sorti ou pas du coup. Et il y a eu une nuit où dans un demi-sommeil, j'ai vu le chat revenir vers le lit, ouvrir l'œil et me dire c'est bon, c'est le chat. Et quand il a sauté sur le lit, je me suis mise à hurler de terreur il a le rat avec lui, il a le donc Monsieur Pomme qui dormait à côté de moi s'est réveillé avec les hurlements de la nuit, tu vois, et le chat il me regardé comme un <laughs> connard. Euh, mais qu'est-ce que vous avez Putain Ah oh, quelle nuit de merde <laughs> bon, voilà. Surtout qu'il était euh, qu'il était bien gros. Euh, moi j'ai connu ça euh, les rats et souris dans les murs. Donc euh, ah, aussi tu ou sur le, le tableau, toit là euh, tu ouais, passer ou, ou sur euh, sur le toit aussi. Mmh. Euh, bah, globalement, euh, bon, t'as les, les chocottes, mais une fois que tu as identifié ce que c'est, c'est bon. Mais c'est vrai qu'au départ, euh, quand tu sais pas ce que c'est, ça fout vraiment les jetons. Quoi. Moi, j'ai eu une chauve-souris. Bah, euh... oh, mmh. Pas très longtemps. Euh, pareil, le chat qui arrêtait pas de tourner autour du canap' en mode... Il <laughs> mmh. y a quelque chose derrière y a ce un truc. C'était une chauve-souris. Euh, bon, ça... ça ça s'évacue facilement. En hein. gros, on éteint mmh. la lumière, on ouvre une fenêtre, on attend, une chauve-souris, au bout d'un moment, elle repart. C'était marrant parce que... Euh, D'ailleurs, j'ai eu deux fois la chauve-souris. Une fois dans la chambre. Et en fait, dans la chambre, donc, je ferme la porte, je enfin, j'éteins la lumière, j'ouvre la fenêtre, je ferme la porte. Et puis genre, un quart d'heure après, je revais voir. Et en fait, elle avait bougé, mais pas assez. Donc je, je refais le manège. Un quart d'heure après, je reviens voir. Elle avait encore bougé, mais était toujours sur le mur. Et en fait, elle se rapprochait de la fenêtre petit, à petit. Mais elle était terrorisée, je pense. Fatiguée. Et là aussi, à partir la troisième fois. Les trucs crampants, j'ai jamais eu. Euh, et je pense que j'irai voir. Ça, c'est pas un problème. Hmm. Ok. Eh ben, écoutez, c'était la dernière question. Répondu, hein. Ah, pardon. Bah, moi, j'y vais pas. Hein. Oh non, 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 non. <laughs> ne, ne, ne. Moi, je suis, de, je suis de la team aussi. Moi maintenant, mais je suis de la team. Les pieds sont sous la couverture. Ils dépassent pas du lit. T'en hein. <laughs> vois les gamins. C'est a... <laughs> ouais. des, des, des vieux traumas, des trucs que j'aurais pas dû voir trop trop jeune. jeunes, enfin, des trucs comme ça qui sont restés encore un peu... Là. Ça travaille toujours. J'ai une mini-anecdote rigolote, enfin pour moi, parce que je n'ai pas peur de, de ces bestioles, euh, mais où j'habitais avant, donc mon chat me ramenait fréquemment des, des mulots. Et euh, un jour, un mulot s'est enfui et traînait dans la maison. Et chaque nuit, il mangeait un, un tout petit bout d'une de mes pommes. Donc, genre un centimètre cube, tu vois. Donc, euh, déjà je me disais, mais pourquoi il mange que un petit bout Et euh, bah j'avais acheté un, un piège donc non létal, évidemment. Et ça a pris deux jours. Et euh, quand je l'avais, j'étais trop contente et tout. Et je l'ai relâché. Enfin, voilà. Donc, euh, jamais ça existe des pièges non létaux. Euh, voilà. Mais c'était un mulot. Donc, c'était quand même moins gros qu'un rat, mais plus gros qu'une souris. Donc, voilà. C'était mignon. Parce que euh, tous les matins, je me levais et je voyais ma pomme qui était un petit peu mangée, qui, tu sais, la, la trace des dents, euh, tu voyais bien, euh, tu voyais bien les incisives quoi. C'était mignon. Grand Paul, on nous signale que tu as oublié des questions. Oui, tout à fait. Je suis en train de voir ça. Alors euh, tout tout, ah. tout euh... Et euh, du coup, on ferait pas le tirage au sort de Charlie pendant que tu cherches les questions qui manquent Il euh, faut peut. faire vite parce que j'ai des questions. Ah. Non mais ouais, ça tirage avoir... Non mais quitte à avoir un épisode décousu, autant y aller jusqu'au bout. quoi. <laughs> J'avoue. Tout de suite, tout de suite. Lance-le, lance-le, lance-le. Allez, c'est parti. One. Ça. The... Putain. <laughs> ah, donc... Je vais retirer. <rire> oui. <rire> Eh ben, ah c'est Delphine ah qui a gagné eh ben, voilà. mmh. bah, écoute euh, oui on est sympa est avec les invités c'est pour Charlie c'est ça c'est ça écoute Delphine vu que le bouquin est chez moi je te l'enverrai pas par la poste je te le remettrai en propre bon. on, on se voit la semaine prochaine non <laughs> on se voit samedi en fait <laughs> ah oui on se voit samedi bah oui pour l'apéro podcast j'avais oublié <laughs> je vous promets que le bot est vraiment est impartial impartial ouais. <laughs> Mais on et, il, vous missions, reste, euh, ouais. il vous reste quatre façons de le gagner. Une, un sur Twitter, un sur Instagram, un sur Facebook. Et on en fera aussi gagner un sur le, sur le Patreon de Podcut. Donc, euh, ça va. Euh, de, non, Charlie, non, j'en sais rien, en fait. <laughs> non, Charlie, non, il y aura, ça, il y aura les trois réseaux 3. sociaux, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On ne sait pas encore pour la suite. Euh, alors, les questions du Discord de Stephen King France. Alors, la première de Natatalante. Si vous deviez vous retrouver face à un animal qui vous fiche la chair de poule, lequel serait-ce Merci. Une araignée, un gros serpent, classique. Euh, euh, moi je dirais un... un sanglier parce que c'est déjà arrivé. Un, un énorme papillon. de nuit, <laughs> toujours je m'en fous, mais un papillon. <laughs> Je, je peux euh... c'est pas possible. <laughs> <laughs> Sphinx tête de mort, histoire ah, de. Ajouter... Déjà l'autre fois, il y, y en avait un, on a ouvert le parasol, apparemment, il y en a un qui était posé, qui était sans exagérer, il devait faire pas loin de 10 cm de long, les ailes repliées. Je... On... Personne n'a osé me le dire et je m'en suis rendue compte toute seule. Il euh, a fallu que quelqu'un le déplace. Quoi. Pas... Ah. Moi, je ne pouvais plus bouger. Ben, c'est mignon, les papillons réparés. Bah, bah, hein, <laughs> alors, moi, je trouve très beau. Euh, moi, il n'y a qu'un seul truc et que je regrette, c'est les araignées, vraiment. Euh, j'essaye de faire des efforts avec ça, mais c'est impossible, ça me fait juste trop peur. Quoi. Et okay. je n'arrive même pas à... J'essaie vraiment de me dire euh, qu'elles qu piquent pas, que tout ça, qu'il faut les relâcher, mais je n'arrive pas, c'est impossible. Euh, par contre, anecdote, avant-hier, j'ai eu un frelon qui est entré dans mon studio. Euh, donc, j'en ai pas trop peur, ça va. Par contre, j'ai quand même réussi à l'attraper, à le libérer. Il est revenu à l'intérieur. Il a défoncé ce bâtard. Et, euh, bah, pour finir, je l'ai défoncé effectivement, <laughs> euh, sachant, en fait, j'avais surtout peur qu'il euh, qu pique mes chats. Voilà. S'il m'avait piqué, bon, euh, ça aurait pas été agréable, mais voilà. Mais j'avais surtout peur qu'il pique les chats en vrai. Mm -hmm. Donc, voilà, un, un bon gros frelon européen. Euh... Mm -hmm que je pensais pas trouver en ville. Ah ouais, J'avoue, les frelons, je ne les, les laisse pas vivre depuis qu'on en a quelques-uns, qu'on qu commence à faire un, un nid dans le garage. Dès que, ah dès ouais, que ça ouais, approche, non, clac euh, ah non, le, le nid, alors il faut... Non, alors le, le, le nid, tu t'en occupes. Quoi. Là, c ah bah, je l'ai chopé, il était grand comme ça. Il y avait une petite mmh. dizaine de frelons tout autour. Ouais, ouais. Alors moi, ce n'est pas qu'il me fiche la chair de poule, mais en rando, j'aimerais pas tomber sur un ours. <laughs> ah ouais? Euh... Oui, c'est sûr. Dans, dans les coins où tu vas, il peut y en avoir? Alors, euh, dans le Jura, non. Au pire, t'as des loups, mais. il enfin, y a des mm. loups sauvages, mais pour qu'un mm. loup vienne mm. te voir, faut vraiment que. Que tu sois tout euh... seul. Hein. Et qu que est... tu sois seul, que tu sois faible, que t'aies de la bouffe et que lui ait besoin, quoi. Parce non. que. Enfin, c'est comme les, les, les félins, euh, ça attaque pas si c'est pas sûr à 100% de gagner, oui, quoi. Oui c'est mm. pas des animaux mmh. sanguinaires gratos, quoi. Non. non. Enfin, si. Les chars, Par contre, ouils, euh... ils sont sûrs de gagner. <laughs> Par contre, l'ours, c'est plus compliqué. <laughs> l'ours, euh, l'ours te marave. Euh, c'est de... territorial, donc si t'es au mauvais endroit, au mauvais moment, euh, il mmh. Mmh. Ok, je vois. Et c'est tout. J'avoue qu'en animal sauvage euh, européen, l'ours euh, serait le seul qui me foutrait bien les quoi Non, mais ouais. oui, vraiment, je, je que risquerais que je... ma vie. Quoi, ouais. Je pense que ça me terroriserait, mais j'avoue que je le projette pas. C'est pour ça que j'ai pensé plus à des choses qu'il y a chez moi, quoi, des araignées. Là, quand ouais, on a ouais. remué la plaque tout à l'heure, il euh, y a une dizaine d'araignées qui se sont étalées sur les que murs. Excusez-nous euh... habiter à la campagne. <laughs> mais non, mais c'est pas ça. Que, je fais de la rando dans mais les Mais même à la campagne, sinon, il n'y a pas d'ours. Euh, Potentiellement, je pourrais tomber sur un ours, mais ça ne me vient même pas l'idée, en fait. Non, oui, euh, alors si je tombais euh, effectivement dans la rue ou dans, dans le jardin, euh, en la plaque, il si y avait un crocodile qui sortait, je serais terrorisée. Euh, ou ouais, bah, euh... on sait pas, une panthère, ou, bon, mais c'est vrai que j'y pense moins. Ok, allez, nous reste encore deux questions. J'aimerais juste euh, citer ah. une anecdote euh, dégueu, parce que j'aime ah, oui. bien les trucs dégueu. <laughs> euh, de, de... <laughs> <laughs> je pourrais vous en raconter une autre, mais elle est tellement trash que je pense que je vais éviter. De DJ Palangon qui dit euh, Histoire d'horreur avec chat. Je sors parfois en laissant les volets quasi fermés avec 2 cm pour aérer et la fenêtre ouverte. Et une fois on est entré, il y avait du sang partout autour de la fenêtre. Les chats avaient réussi à choper un pigeon et l'ont éclaté par ces 2 cm sous le volet. Et je ne sais pas vous, mais moi ça me rappelle très fortement une autre nouvelle qu'on a... Euh... On a fait avec un radeau, n'est-ce pas mmh. pour ah oui, le le pasta, oui le... euh... entre les lattes. Euh... <rire> <rire> ah ouais, je m'en souviens à peine de cette nouvelle. Euh... <laughs> ah, Pourtant, c'était ça. <laughs> le souvenir est vivace. <laughs> Alors, une question de Minka. Coucou oh. Minka. C'est bah, -ce... pour ça qu'elle voulait qu'on lise les questions. Ah, peut-être qu'elle m'a aidé pour ça. Est-ce que faire du podcast, c'est une sorte d'addiction Attends, enfin, cette formulation est peut-être problématique. Est-ce que depuis que vous avez commencé à faire du podcast, vous avez envie d'aborder plein de sujets différents, de tester plein de formats et pas le temps pour tout <laughs> Ne commencez pas le podcast si vous pensez que vous n'avez pas beaucoup de <laughs> temps. C'est une drogue. Le podcast, c'est une drogue. <laughs> Au début, tu te dis ouais, je vais faire ça pour les copains, ouais. ça va faire plaisir. Je vais faire ça trois fois, je vais m'arrêter. Et... J'avoue que niveau euh, frustration d'avoir un elle, podcast euh. sur un seul thème, sur un seul auteur, des fois, tu te dis, d'autres choses, il n'y rien parler d'autres trucs. Donc, tu essaies de te faire inviter ailleurs. C'est <laughs> ça, je confirme. Ça. Ou alors, tu fais d'autres podcasts et puis tu n'as plus de temps pour autre chose. Et voilà. Puis, puis tu as beau avoir quatre podcasts ou cinq ou six, ben, tu as toujours une nouvelle idée d'un nouveau truc et tu n'as pas de temps. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de bosser, il faut quitter la personne avec qui tu vis. Euh, il voilà, faut... <laughs> faut se dire que tu ne feras jamais de Il faut jamais réussir en à en, en faire un métier. Oui. oui, mais est-ce que tu prends autant de plaisir du coup Quand c'est une mais obligation oui, tu vois, c'est philosophique comme choix. Voilà. C'est la réponse que je fais à chaque fois qu'on me demande pourquoi je ne fais pas des pâtisseries professionnellement. C'est juste que je le fais pour mon plaisir. Et, et ben, le podcast, c'est pareil. Mmh. C'est ce que j'allais en venir. Moi, je ne fais que ce podcast, mais assez volontairement, parce que j'aime bien euh, plutôt utiliser plusieurs. Euh... Faire que du podcast, ce serait embêtant. Euh, J'aimerais faire. J'ai plein de projets, plein d'idées que je ne fais jamais, évidemment, mais ce serait sous d'autres formats. Ouais, mais en fait, euh, pas que du podcast. Tu peux faire des trucs. Enfin, tu vois, moi, je vois par rapport à ce que je fais sur le podcast, enfin, sur les podcasts, en fait, j'en enregistre deux. Celui-là est Dr. Watt. Euh, sur Watchlist, je fais surtout de la gestion de projet, finalement, parce que je vais, je vais gonfler tout le monde pour savoir qui m'envoie une piste pour recommander un truc. Sur la réponse D, c'est plutôt <laughs> l'écriture. Euh, et par rapport au label, c'est euh, au bureau, c'est euh, finalement de la gestion aussi, quelque part. Donc ça doit être toujours dans le milieu du podcast. C'est pas que du podcast à proprement parler. Mais et ça plus ça plus ça plus, ça plus ça plus ça. Oui, mmh. c'est ça qui est enfin, fait. Donc, gros, donc, ouais. Du coup, j'ai réussi à me mettre sur des projets où je fais pas exactement la même chose, mmh. mais effectivement, ça prend un temps, euh, ça prend un temps fou, quoi. Aller voir les gens pour dire, et eh, t'as pas un truc à recommander pour Watchlist Eh ben en fait, ça prend plus de temps que de faire les épisodes. Oui. Ouais, c'est clair. <laughs> non, alors, moi, je parle de, de uniquement de, de choses créatives, parce que c'est clair, euh, euh, en termes de. Enfin, y a, Tu peux faire beaucoup de choses autour du, du truc créatif en lui-même. Oui. Ça, c'est sûr. Ne serait-ce que, bah, par exemple, le montage d'un podcast. Oui, ah il oui, y a ça aussi, il y a le montage en plus de tout le reste. Ouais. D'ailleurs, est-ce que ça serait pas le moment pour que Delphine, elle nous parle de ses podcasts justement, qu'elle fasse un peu sa promo. Ou est-ce ouais, que nous les autres, vous avez quelque encore. chose à dire ah, On a Encore pardon. une question. Bah, moi, j'ai oh, pas répondu ouais. à la question, Et mais euh, Julien n'a pas fini. Ça running. parfait. Ceci. Je trouvais que l'enchaînement était parfait. <laughs> Alors ah, euh, as oublié. Ah. oublié Moi, je me suis calmé sur les podcasts. J'ai plutôt réduit la voilure parce que ouais, ça prend beaucoup trop de temps. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'autres idées. Mmh. Mais euh, je, je, je limite le temps à ça pour, euh, je pense, un peu comme Urde faire autre chose aussi, que ce soit euh, du stream ou, euh, ou, des ou, ou du sport, <laughs> par exemple. Mmh. Mais euh, ouais, si tu mets le doigt dedans, généralement, tu arrives et que tu trouves un, un groupe de gens mmh. qui sont en même état d'esprit que toi, tu peux vite en faire beaucoup. Mmh. mais je pense c'est dans n'importe quel domaine en fait tu commences du sport tu trouves un groupe de gens avec qui tu t'entends extrêmement bien qui fait énormément de sport et tu te fais engrainer si tu fais mmh. de la musique enfin je pense que c'est pour n'importe quel sujet oui, cas, en oui fait. ça oui, peut oui, être oui. vite oui allez vas-y bye Julien bye on te ah, voit pas pas te te bailler, lire, je là. suis un peu fatigué allez dernière question après on arrête <laughs> de dead hunter quel travail de nuit aimeriez-vous faire ou à contrario quel travail de nuit détest détesteriez-vous faire Tellement de travail de nuit qui serait nul à faire, je trouve. Enfin, je pense non, bah, je pense. gardien d'hôtel. Un hôtel en ville. Euh... Ouais, tu prépares tous un... tes podcasts <laughs> Moi, je, un travail de nuit que j'aimerais bien faire, c'est les. Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, mais les chercheurs qui bossent dans les observatoires euh, astronomiques et qui, gros. Ont, en gros, c'est très, très fantasmé dans mon imaginaire, mais qui bossent la à regarder les étoiles. étoiles. Tu veux faire voilà. regardeuse d'étoiles mmh. <laughs> Regardeuse d'étoiles, c'est sympa. <laughs> c'est mignon. Chasseuse d'étoiles. <laughs> Moi, je sais que mon rythme naturel, si je pouvais euh, le, le respecter, ferait que je vis plutôt la nuit. Donc, du coup, je ferais plutôt des travaux de nuit et je dormirais plutôt le jour. Mais un travail de nuit... Euh... Je pas... rien qui me vient euh, comme ça. Euh, moi, je n'aimerais pas travailler de nuit. Un truc à Globalement, euh, voilà. Le... Moi, je n'aime pas des places de travail où tu t'ennuies. Mais euh, par contre d'expérience, il y a quelque chose que j'aimerais surtout pas faire, c'est travailler dans un hôpital psychiatrique de nuit. malheureusement. <laughs> oui ok, effectivement. Enfin, euh, je, je pourrais te rejoindre <laughs> oui, c'est moins pire que ce qu'on pense quand même mais euh, voilà c'est surtout euh, énervant en fait. Ça dépend. Est-ce ouais. que tu as vu la saison 2 de American Horror Story ou pas <laughs> voilà, euh, Oui, mais c'est la meilleure. <laughs> <'est> la meilleure <laughs> disons <oui. rire> disons qu'il ne faut pas se baser sur ce qu'on voit vraiment. <laughs> <laughs> la, 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 la réalité est, pff, est plutôt chiante, en fait. C'est plutôt non, des gens vrai. qui vont t'emmerder toute la nuit à ne pas dormir, mmh. à fumer des clopes, euh, Voilà. Donc, euh, globalement, très chiant. Je sais okay. qu'on travaille de soirée, mais c'était pas de nuit, mais si j'avais si fait ça la nuit, j'avais beaucoup aimé ce qu'on faisait à l'époque où je bossais avec le SAMU social. Euh, et je trouvais que c'était une partie du, de mon travail d'éducatrice que je trouvais plus intéressante, plus intéressant que celui de jour à l'accueil de jour. D'aller voir les gens là où ils sont concrètement, d'aller à leur rencontre, etc. Et du coup, alors. Pour des raisons budgétaires essentiellement, euh, le boulot finit à 23h, mais, euh, mais faire un boulot de nuit de ce type-là, donc actif, t'es pas assis sur une chaise devant un oui. écran, et avec des vrais gens, alors peut-être pas en hôpital psychiatrique, mais pourquoi pas du coup, euh, ça serait plus quelque chose comme ça. Après, rêver, bon, parce que ça serait vraiment un job rêvé, tu vois. <laughs> oui. Julien, t'as pas répondu? Ah, si. Ah, merde. Eh ben, bravo. J'ai dit que je voulais travailler dans un hôtel. Ah, oui, c'est vrai. Ah, je croyais que tu voulais travailler dans un hôtel en ville. Ah, j'ai compris pas travailler dans un hôtel. Oui, moi aussi. je croyais Si, si, bah, si, j'ai dit, travailler dans un hôtel, t'as rien à faire, c'est tranquille, quoi. Aurel San a commencé. Exactement ce que j'allais dire. Comme San, oui. C'est vrai que je regarde le fameux... Ils ne font pas le boulot, franchement, quand t'es. Non. Sur la tête. Pour écrire, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. as le temps de lire des Stephen King ben Moi, j'aurais dit Gardien de Phare parce que t'as la paix, mais j'ai vu le film Lighthouse il n'y a pas très longtemps et t'as pas envie, en fait. Moi, j'ai vu un Alors, coup, Oui, il y a, y a Telex euh, sur euh, le chat qui dit Gardien de Phare, comme toi, et Loylon qui dit Gardien de cimetière de nuit. <laughs> Alors, euh, moi, j'aurais vraiment aucun problème de faire euh, de faire ce taf. Non, moi, j'ai trop d'imagination. c'est ça <laughs> euh, alors moi simplement parce que j'ai déjà fait des, des photos de cimetière de nuit donc et ça m'a posé absolument aucun problème ok bon on a fini le tour des questions euh, c'était la dernière on va pouvoir conclure du coup chaud. maintenant il faut que Delphine on présente pouvoir... euh... exactement j'allais dire du coup on oui. va laisser la parole à Delphine qui a fait un peu sa pub dis-nous Delphine oui. tu fais quoi comme podcast alors, je fais partie de Radio Beer Catch, un podcast avec des potes où on regarde du catch et on débrief après. On regarde les, les gros events de catch, on ne regarde pas les émissions quotidiennes ou hebdomadaires parce que ça commencerait à faire vraiment oui. beaucoup. Donc, on, on, on se tape les grosses émissions qui font 3, 4, 5 heures où il y a 13, 14 matchs. Et après, on en parle. Donc, ça dure aussi un certain temps. Mais bon, voilà, ça fait 5 ou 6 ans qu'on fait ça maintenant. Tant que ça Non, non, non. Le Roi River, on en est Bay. à 4,5. Vous avez commencé à parler. <laughs> Mais alors, oh non, ça Alors, disons que ça doit faire 10 ans qu'on regarde le catch ensemble. Ah oui, ça, oui. Ça, ça doit oui, faire 4-5 fait... ans qu'on parle, qu'on qu se dit qu'il faudrait qu'on raconte nos conneries à des gens. <laughs> et donc, ça fait 4 3 ans, ans alors, 3 ou 4 ans qu'on est sur Radio Bayer Catch. D'ailleurs, anecdote euh, j'ai dormi chez C'est Fou il n'y a pas très longtemps. Et eh ben on a ouais. regardé du catch en pensant à vous. Ah, oh, c'est gentil <laughs> C'est fou, on a essayé de l'inviter plusieurs fois euh, sur Radio br on n'a pas encore réussi à le motiver. Mais c'est un grand timide. Ouais. On ne dirait pas comme ça, c'est un grand timide. enferme un dans une trappe. Euh... <laughs> Avec un vélo, c'est bon, il va. Il <laughs> oui, vrai. Vrai. Et donc le deuxième podcast, c'est. Euh... J'ai eu un trou Alia de mémoire. En fait, c'est possible. C'est Agatha Krimsty. Donc, euh, on a choisi d'étudier l'œuvre d'Agatha Christie, mais on est parti vraiment dans l'ordre de publication. On suit vraiment. C'est plus de... simple, hein, finalement. Ouais, voilà. <laughs> comme ça, on n'a pas de choix à faire. C'est imposé, tu vois. Et puis, comme ça, ça permet vraiment de, mettre, de replacer l'œuvre dans la vie vraiment d'Agatha Christie au fur et à mesure et de suivre les évolutions. Donc, ça, on a commencé au mois de janvier. On va attaquer. Euh... Elle en écrivait genre un par an, plus d'un par an, an. quatre. 3-4 par an. Ah ouais. Non, elle a... ça, dépendait des... ça dépendait des périodes en fait. Il y a des périodes où elle était à trois, 4 par an, des périodes où c'était un parent. an. Okay. Ça a vraiment été influencé par sa vie privée justement. Donc là, on en est à son neuvième. On va attaquer son neuvième, son neuvième livre publié parce qu'il y a eu un recueil de nouvelles en cours de route qui s'appelle Le train bleu. Donc on, prend... on sortira ça au mois de. Donc fin septembre, le dernier mercredi de septembre. Et le dernier qui vient de sortir, celui qui est sorti la semaine dernière, c'était. Non, mais c'est pas possible, les je quatre. vieillis, sérieusement. C'était les, les quatre. quatre. Oui, merci, Merci, Pomme. C'était l'écrit le travail Un... il y a une semaine, c'est ça Ouais, c'est ça. <laughs> mais j'ai pas encore vu mes élèves, moi, tu vois, dans mon, dans mon établissement. On n'a pas encore. Parce que je, fais, je, je suis enseignante, mais en établissement spécialisé. Et donc, les élèves, je leur laisse prendre le temps de retourner dans leur classe ordinaire et après, je vais m'occuper de... Et donc, Agatha Christie, qui est un podcast du label Podcut. Exactement, oui. on a rejoint Podcut. Et, dans et pour et finir, je suis dans le deuxième pardon. épisode, donc n'hésitez pas à ouais. l'écouter. Mmh. C'est ça. Et on, on est à la recherche d'invités en plus, parce qu'on essaye de recevoir des gens différents tous les mois. Donc, si vous voulez éventuellement lire un Agatha Christie et en discuter avec nous, faites-moi signe. Euh, où est-ce qu'on a la liste Quelle dans liste Wikipédia. tu l'aurais. Wikipédia, la liste. De mais c'est classé dans l'ordre de parution oui, vous pouvez regarder sur le, le meilleur moyen, la liste qu'on qu suit, nous, en fait, c'est les, les éditions du Masque par la librairie des Champs-Élysées, a publié l'intégrale la Christie dans les années 90 dans l'ordre de publication. Et on suit cette édition-là. Donc là, on est sur le deuxième ah roman oui, bah oui, du oui, deuxième volume de l'intégrale. Ah, ils ont fait des, des pavés de 1000 pages. Ah ouais, ouais. C'est pas mal. Bon. Bah écoutez, on va peut-être voilà. se quitter là. On ne là, ce que tu parles. Euh, bien bien donc sur ces bâillements euh, je on va se faire des bisous. Donc euh, le roi Steven est un podcast du label Podcut comme Agatha Christie. Comme Vous pouvez retrouver tous les podcasts du label sur euh, www.podcut.studio. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de Podcut. Les liens sont en description. Sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, euh, si vous voulez nous filer un petit coup de main, donner une, une piécette ou plus au Patreon. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Et on se retrouve le mois prochain pour parler de Charlie. Et merci à tous nos auditeurs du chat qui merci sont à venus. À tout le monde tout le monde Et, merci Et merci à Delphine. Delphine. C'était un plaisir. Oui, c'était chouette. Allez, et on en fait un ah, petit Merci bisous à vous tous. Et, bisous. et, et bisous, bisous. à bientôt. Ciao, ciao. À dans un mois. <laughs> Salut c'est Emily, merci pour votre écoute de cet épisode du roi Steven. Si vous aimez King et que son actualité vous intéresse, je vous propose d'écouter également la Gazette du Maine, c'est le podcast que je fais et dans lequel je vous tiens au courant de ce qui va être publié, des dernières informations sur ce qui est en cours d'adaptation, de ses nouvelles interviews ou des autres sujets qui le concernent, deux fois par mois en moins de 10 minutes. La Gazette du Maine est disponible sur toutes les plateformes, alors je vous dis à bientôt, j'espère. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. l'empire nous étrangle si lentement. j'ai besoin de tous les héros que je peux trouver andor une série originale star wars voici le véritable visage de la révolution en streaming dès maintenant exclusivement sur disney abonnement par une personne majeure requis voir conditions sur disneyplus.com